reporting ready for launch. Yo. Monsieur Hachel, salut Dart, salut Minor, salut Yazik, salut Nat. Salut Kibo. Et c'est P264. Ah, il fait encore chaud, hein. Il fait encore. Je viens de lancer le stream, je suis déjà en PLS, il fait déjà trop chaud, quoi. Ouais, c'est vu qu'hier c'était la canicule. En fait, vu qu'hier avant-hier c'était vraiment la mort en termes de température. Et l'appart s'est pas refroidi, quoi. Et du coup, même si aujourd'hui il fait plus frais. Bon, il fait encore 30 et quelques, hein. Même si aujourd'hui il fait plus frais, bah. On l'a quand même dans le cul, quoi. On l'a quand même dans le cul. Ça marche, les 164, hein. Merci Baptiste et merci Maro pour les follow. Ah, miaou. Hop. On est parti. Bon, alors la dernière fois, on avait fait 2-3 petites machines. Je sais plus si c'était la dernière fois, je crois qu'on avait upgrade l'énergie cell. Ou alors c'était encore avant. Peut-être encore avant. Et quand on faisait l'Andorium, ça devait être il y a deux lives, je crois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière fois, on avait fait le crusher, on avait fait les petites choses, on avait fait le farmer. Je crois que les solar panels, on les avait fait encore avant. Mais voilà, maintenant on a différentes choses de fonctionnelles. On avait en fait, j'ai même plus ce qu'on a fait le dernier live. Je confonds le dernier live et le live d'avant, c'est terrible. On a fait le dernier live. Que la ferme à mob était déjà là. Ouais, je crois. Le champ, c'est sûr. Je sais plus ce qu'on a fait le dernier live, au secours. Il a pu chez moi, quel plaisir. Bah écoute, moi il a plus 2 minutes hier. Et ça a strictement rien changé, j'ai toujours aussi chaud. C'était terrible. C'était terrible. Il fait chaud chez toi. Bah là il doit faire 32, un truc comme ça, tu vois. Mais le problème, c'est que 32, c'est largement 32, franchement, c'est largement vivable, tu vois. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est que par exemple qu'il fasse c'est qu'il ait fait 40 pendant 12 jours avant, que ça ait bien chauffé l'appart comme pas possible. Et que là du coup bah il fait limite plus chaud à l'intérieur que dehors, en fait, quoi. Il fait limite plus chaud à l'intérieur que dehors. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? J'ai envie d'aider une petite partie. On va envie d'aider une petite partie pour que ça retourne un petit peu. Je vais le déposer là-dedans en attendant.
En fait, il me faudra un drawer, mais des splits en deux pour le blé, pour les graines. Il me faudrait ça. Y'a Jabba? Je sais pas. Il me faudra un drawer, on va que je split en deux, que je foute à côté. À la rigueur. Il faudrait que je fasse ça. Et c'est Quentin. C'est Maxence Quentin, t'allais où? C'est ici Lexi. Bon. Alors aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, alors qu'on fasse le système d'auto-saving. Le problème, c'est qu'il nous fera pas mal de ressources pour ça. Alors notamment beaucoup de fer. On en a un petit peu, mais pas des masses. On a encore un petit peu d'armure à recycler, mais rien de bien fou. On va déjà les mettre. On va déjà les mettre quoi qu'il arrive. Hop. Voilà. T'as Nico, comment vas-tu? Comment vas-tu? Je vais en profiter pour directement mettre des loot bags aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est vu que là il va falloir beaucoup de fer, on va mettre des loot bags en épique. Parce que dans les loot bags, dans les Legendary loot bags, tu ne chopes pas en fait d'items en fer, hein. Tu chopes que des items en diams. Hein. Alors, c'est pratique quand tu as beaucoup de diams. Le problème c'est que là on a quand même. On a un petit stock de diamants. En plus je peux en avoir aussi dans les épiques. Et j'aurais pas item en fer si je prends les legendaries. Triste. Et triste et triste. Black Hole Unit, ouais mais mec, Black Hole Unit c'est la mort à faire. Hein. Ça coûte la peau du cul à faire Black Hole Unit. Hein. Si tu veux que je fasse ça. Salut tout Shark, c'est une étape Nico. Mais du coup ouais à la base je devais live hier et puis il faisait beaucoup trop chaud. Je devais live hier, il faisait beaucoup trop chaud, c'était pas tenable. En fait, c'est rien que je pouvais pas rester dans la pièce plusieurs. Enfin, en fait, je pouvais même pas rester dans la pièce 30 minutes de suite sans aller me rafraîchir, sans les machins. Sans aller prendre un cooler ou autre, c'était impossible. C'était juste impossible. Hop. Alors, tac, tac, tac. Briquet, c'est par cyclable, hein. Marre. Et puis le cyclable. C'est ni point recyclable. Du plastique, c'est le seul truc un petit peu relou. T'es sûr qu'il faut que du plastique pour faire le Black Hole Unit? T'es sûr qu'il faut pas de petites choses un petit peu chiantes? En vrai? Oui, y'a un trou ici. Hop. Parce que attends, Black Hole Unit. Ah ouais. Ouais, mais bon. C'est bien, en fait ce que j'aime bien avec le drawer c'est tu vois le nombre d'items que tu... En fait tu vois les items que t'as dedans à l'avance et tu vois le nombre d'items que t'as dedans aussi. Sans venir te faire chier à l'ouvrir ou autre. C'est ça que j'aime bien avec le drawer, c'est pour ça que j'utilise le drawer. Hein. Plutôt que d'autres choses. Je crois que l'under tu peux la recycler. Hein. Ouais, ça va être pour ça que j'ai gardé les autres je pense, sinon je l'aurais pas fait. Eh mais on a rien de recyclable en vrai dans tout ça là. On a que de la merde à côté. Horreur. Elf. Bah eh bien quand avec Pierre là, y'a rien ce soir je crois. Je crois que c'est ce soir qu'il a dit qu'il reprenait les lives, non? Je crois. Je crois si j'ai pas de bêtises. Hop. Demain soir. Demain soir. Au revoir. Parce que je l'ai vu tweeter un truc en mode demain soir il live. Mais je crois que c'était hier qu'il avait tweeté ça. Donc du coup ouais je sais pas. Parce que ça devient long. Bah écoute, il prend des vacances. Hein. Qui es-tu pour juger la durée de ses vacances hein. Ah c'est terrible les lags serveurs qu'il y a hein. Ok. Bon ça nous fait combien d'items un iron à recycler, ça nous en fait pas mal en vrai. En plus ce qui est bien c'est que c'est des armures surtout qu'on a eu. Ça c'est pas en iron, ça c'est pas recyclable. Ah putain mais attends il y a full compass. Oh. Bref. En effet c'était hier soir, ouais c'est pour ça, c'est hier soir qu'il a tweeté donc je pense que... Non ce soir je pense qu'il va prendre des lives tranquillou. Bon c'est bien ça nous fait pas mal d'iron tout ça là. On a déjà quoi? On a déjà. J'ai 21 lingots. Non, beaucoup plus que je suis chim. Tu fais 14 et 7. C'est pas 14 et 7, connard. On a 26 lingots. 25. Je vais y arriver. On aura pas mal en plus. C'est cool. Les compasses en plus, je crois que ça donne 4. Hein. Je crois que c'est 4 d'iron par compass que tu recycles. Normalement, les torches ça va donner autant, je pense, en Tinker. Donc c'est pareil, ça va nous faire 8 et 8. Puis après, t'as les pantalons qui vont nous faire 7 et 7. Et là, on va avoir masse. En fait, ce qui donne peu, c'est les outils. Parce qu'au final, bah, ils sont juste composés de 1, 2, voire 3 iron si t'as une pioche et que t'as de la chance. Mais j'ai eu que des pelles presque et un peu d'épée, donc ça donne pas beaucoup d'iron quoi. Et bon, là, tout ça, ça m'en donnait masse, donc c'est cool.
Hop. Ah, j'ai enfin commencé à faire les Teamfight Tactics là, sur mon compte. J'ai enfin commencé à jouer depuis que c'est sorti en dehors du PBE. Alors j'ai fait trois premières games, je me suis fait éclater le cul. Je devais pas avoir de chat ou pas avoir les bonnes compos, je pense. Et j'ai voilà, genre là j'ai dû faire 4 top 1 de suite. Mais genre, tu sais, sans les limites, franchement, j'aurais pu partir pisser en plein milieu de la game et revenir sans rien toucher. J'aurais top 1 aussi, quoi. Mais c'est genre, c'était des animaux, les mecs, quoi. Pas compris. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Ouais, ça m'emmerde les passion fruit bags de pas pouvoir les garder là. J'arrive pas à les stocker en fait dans quelque chose. Ça m'emmerde, ça m'emmerde. En gros, en fait, il faudrait juste que bah, de temps en temps j'aille check le trash chest et voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant dedans, quoi. Mais bon. Volibrawler, toujours aussi fort malgré le nerf, je sais pas. J'ai vu Shones, il a joué ça, il s'est fait éclater parce que ça pue la merde, hein, donc je saurais pas trop te dire. Hein. Il est tombé contre une compo Yordle, il a fait la gueule. Non, en vrai, là, ce que je joue qui est ultra fort, c'est Pirate, Pistolero, Blade Master, un truc comme ça. J'ai joué quoi? J'ai joué Sauvage, Démon et Métamorphe aussi, qui était sympa. Avec Dragon, quoi dedans. Genre plus sorcier. J'avais tous les trucs, quoi. Il a fait un live TMT mardi. Ça va, TFT? Le pauvre. Hop! Bon, je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on commence à être pas mal. Ce qu'il va me falloir aussi, il va me falloir pas mal de câbles en vrai. Hein, parce que j'ai plus de câbles d'énergie. Et il va falloir que je capte tout ça en énergie. Donc, comme j'ai dit, mon traitement des minerais, je pense qu'il va s'effectuer tuer par ici. Alors, j'ai pas le collé au niveau des villes. Hein. Je pense que mes cibles, ils vont être genre là, tout comme ça. Il y aura une colonne. Hein. Comment je vais faire? Je pense que je vais setup un peu l'image des pierres. Hein. Je vais faire un truc tout droit. Je pense qu'ici, on va avoir le sieve pour le gravier. Du coup, au-dessus, on a le hammer. Et du coup, au-dessus, on a le cobble générateur. En gros, ici, on a cobble générateur, auto-hammer, auto-sieve. Comme je l'ai dit, pour l'instant, l'auto-sieving du gravier se fera sur une sieve en iron parce que j'ai envie d'avoir un petit stock de lapis. Une fois que j'aurai les poulets, que je commence à avoir les poulets de lapis. Ouais. Ou alors je fais les deux. Ou alors je fais les deux et je split. Ou alors je fais genre comme ça. Ouais, mais si je fais une forme comme ça va. Non, 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 on va éviter. On va éviter de faire une forme comme ça. Non, on va plutôt faire un truc comme ça. Je sais pas. J'étais en mode, je mets le câble au milieu, je mets mes deux machines autour et ça fait du round robin, tu vois. Mais c'est chaud. Putain, mais ouais, mais il y a 4 trucs, forcément, si je split un moment, ça fait une bite. Chiant. Parce que, au pire, vu qu'en fait, j'aimerais bien avoir un petit peu de lapis quand même. Dans ma tête, je me disais au début, je switcherais une fois que j'aurai le poulet de lapis. De l'iron au diamant. Si je fais ça, le truc, c'est qu'une fois que j'ai le poulet de lapis, sachant que je commence à avoir les autres poulets et j'aurais déjà plus besoin d'avoir l'auto-sieving. Donc ça sert à rien. Donc autant que dès le début. Je pense que dès le début, j'ai avoir deux sieves. Un avec la mèche en iron pour avoir du lapis, pour avoir les minerais et tout. Et un avec la mèche en diamant pour avoir plus de chances d'avoir des minerais dedans. Tout simplement. Et comme ça, voilà. Et du coup, je câblerai ici. On va faire. Ça va pas être ultra joli, ultra joli. Hein. En fait, ça va être compact surtout, plus qu'autre chose. C'est pour éviter d'avoir des trucs dans tous les sens. Donc voilà. Donc du coup, il va nous falloir deux sieves pour le gravier, un sieve pour pour le sable et un sieve pour le dust. Ça va nous faire quatre auto-sieves. Il va nous falloir un auto-hammer pour le gravier, deux auto-hammer, deuxième auto-hammer pour le sable, troisième auto-hammer pour la dust. Et il va nous falloir deux cobble générateurs, je pense, pour le tour. Sachant qu'on va au moins peut-être les mettre en tier 2. Pour être tranquille, on va au moins en mettre de tier 2. Parce que fais voir les cobblestone générateurs, là, ils produisent combien? On peut voir combien ils produisent. Il y a un cobble toutes les 40 tiques. Non, je le mets directement en tier 3. Ouais. Oh, tier 2 c'est pas cher. Tier 3 ça fait déjà cher. Hein. Tier 3 ça fait déjà mal. Hein. Après on a beaucoup de diamants. Non mais un tier 3 pour être tranquille. Mais tier 3 pour être tranquille. T'as juste décalé sur la droite à chaque fois et tu fais 1, 2 pour 1, 1 qui sieve, 1 qui hammer. De quoi? Et pas de speed, c'est le Pouletos direct. Non mais ça va être ultra long en fait de faire le Pouletos. Avant de faire le Pouletos, il va falloir les ressources en fait les gars. Donc là quoi qu'il arrive, je suis obligé de faire ça en fait. Et attends mais tu disais quoi? Tu veux dire qu'en gros, imaginons que j'ai le cobblestone générateur comme ça. Là ça crush. On arrive sur le sieve du gravier. En fait là ça crush, donc là en gros t'as le gravier qui sort. Par exemple sur les deux côtés, je mets mes sieving. Moi je mets mon sieve en diamant et mon sieve en gravier.
en diamant, en iron. Ici je recroche. Hop, ici je prends le sable. Il y a une autre partie du sable par là. Pour recroche, pour avoir de la dust. Bon, c'est ultra compact ce que je l'ai fait, mais dire qu'en gros je fais tout avec un seul cobblestone générateur. Le problème de faire ça, c'est que ça suivra jamais la cadence. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai avoir un seul hammer qui va devoir tout traiter. J'ai avoir un seul hammer au début. En fait j'ai avoir une seule source de gravier pour deux sieves de gravier, un sieve de sable, un sieve de dust. Je peux pas. Il me faut au moins un sieve pour deux trucs. C'est en fait ça va être trop long parce que ils sont lents les sieves. Hein. Les sieves ils sont lents en début. Hein. Et ils sont lents tout court en fait. Donc ça va me chier zéro ressource. C'est pour ça que je split en deux côtés en fait, comme ça j'aurai deux fois plus vite des ressources quoi. Touché implement. Tu peux doubler les sieves, non? Ouais mais ça change rien en fait. Faudrait que je double les hammer au final tu vois. En fait si je mets deux fois plus de sieves, il va falloir deux fois plus de hammer avant tu vois. Donc quoi qu'il arrive, on en revient au même problème en fait. En fait, si je double, ça revient exactement au même setup que je faisais avant du coup. Ça revient exactement au même setup. Non mais quand je dis que les sieves sont ultra lents, le hammer aussi est ultra lent en fait. Le marteau aussi est ultra lent tu vois. C'est les machines qui sont ultra lentes tu vois. C'est les deux qui sont ultra lents. Je sais pas. Je pense que c'est plus simple de split en fait. Je pense que c'est plus simple de split. Alors oui, il faudra un hammer en plus pour partir de la cobble au gravier. Mais c'est plus simple de split. Fais une ligne complète pour chaque et basta. Non, parce que là pour le coup c'est overkill. Là pour le coup c'est overkill. Parce que par exemple, ici attendez. En gros, ici on aura la sieve de dust. Ici en fait, ici ça va être le truc, l'auto-sieve qui fait la dust. Qui processe la dust. Ici on a le hammer qui passe le sable en dust. Ici on a le hammer qui passe le gravier en sable. Avec sur le côté par exemple le sieving du sable. T'es un modé, tu vas pas faire de l'overkill? Ban. Vous voulez vraiment que je fasse une colonne pour chaque minerai? Enfin, une colonne pour chaque minerai, on m'en bat les couilles. Hein. Ça me coûtera 10 fois plus de ressources, hein. C'est vous qui voyez. Hein. Après, ça va être plus simple. Hein. Donc en gros, ici, dust. Donc attends, ici ça fait sieve de dust. Ici le hammer qui fait sable en dust. Ici le hammer qui fait gravier en dust. Ici le hammer qui fait cobble en gravier. Et ici, cobblestone generator. Je peux tout faire sur un truc. Comme ça, un peu comme ça. Et au pire, à tout moment, si j'en ai trop, si je vois que par exemple le hammer est trop rapide par rapport au reste, je fous deux sieves. Ou inversement, si je vois que le hammer est trop lent par rapport au reste, je fous deux hammers. Bon, on va faire ça. Alors du coup, attends, il va falloir combien de choses? Parce que du coup, il va falloir 3 hammers pour ça. Attends, il va falloir combien d'hammers? On va noter. On va noter. Alors ça c'est hammer et ça c'est... Alors hammer il m'en faudra déjà 3 pour ça. Le 6 il m'en faudra 1. Ensuite pour le gravier, pour le process du sable il me faudra 2 hammers hein, du coup. Et 1 sieves. Et pour le process de la cobble il me faudra 1 hammer et 2 sieves. Il me fait 4 sieves et 6 hammers. Plus 3 cobblestone générateur en tier 3. Pour être sûr d'avoir assez de cobble, ce qui est... En vrai, un cobblestone generator tier 1, je pense qu'il ferait l'affaire, mais... On va le mettre en tier 3, c'est overkill, hein. Où est l'overkill? On va faire de l'overkill, on va cramer toutes nos ressources comme des connards pour de la merde, qui va être remplacée dans 2 jours. Et on fera la gueule. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Donc du coup, on va commencer par les cobblestone generators, en vrai. J'ai écrit une liste de courses. Ouais, regardez. Mon petit bloc-notes. Que je voulais. Je voulais trouver un seau. J'ai encore recyclé mon dernier seau, c'est ça? Je l'ai pas gardé mon dernier seau. Encore faire le con avec. Ah non, il est là. Nice! Donc il va me falloir un seau de lave. Dodo! Et qu'est-ce qu'il faut pour le cobblestone generator? Je crois qu'il faut. Je sais plus s'il faut de la cobble ou de la stone. Cobblestone generator. Tiens, un. Il nous faut de la cobble et du verre en fait. F! Donc ça déjà, on fait un. On reprend nos seaux. On reprend un de lave et une de flotte. On recrafte le truc. On reprend un de lave et une de flotte.
Ok. On l'a déjà. On a les générateurs. C'est pas le plus cher. Avec un seul cobblestone générateur tier 5, si tu veux économiser vu le split pour chaque colonne. Hein. Non, on m'a dit qu'il fallait un truc par colonne. Hein. On m'a dit que, on m'a dit qu'il fallait des colonnes. Donc, du coup, on va faire 3 cobblestone générateurs. Hein. Ah, je vous écoute. Hein. Par contre, ça va vraiment, ouais, ça va me coûter. Ça me coûte un demi-stack de fer, vos conneries. Ça me coûte presque un demi-stack d'iron, surtout de diamant, vos conneries. Pif! Voilà! Bon, ça c'est fait. Les générateurs, c'est bon. Maintenant, on va partir sur les sièges. Auto! Y'a pas de tiré? Ouais. Hammer aussi. Il m'en fait combien de ça? 4? Beaucoup, ça fait cher quand même hein, ces conneries. Hein. Ça fait cher vos conneries. Hein. Non, mais parce que vu que j'en fais 4, normalement 16 glass pane ça suffit parce qu'il m'en faut 4 par truc. Alors c'est bon. Même fort des sieves. On va récupérer cela de toute façon. Hein. Pas des heavy que tu fais? Ah non, tu fais des carottes dans les heavy. Non, mais attends, mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse des heavy? Qu'est-ce que tu veux que je fasse des heavy? Non, arrête les conneries, hein. J'ai pas de charbon moi. Alors. Cheat. Ouais, cheat, j'aurais pris l'épée, je me serais TP sur la plateforme, ça aurait été pareil. Hein. Ça coûte de l'énergie, faut pas déconner. Hein. Par contre, je veux des sieves. Et donnez-moi les sieves! Ni connu. Ah, j'ai pas de quoi vous parler. Hein. Par contre, en vrai, j'ai un sieves pour 9, c'est chiant. 1 sur 9, not bad. Ah, c'est un bon ratio, hein. C'est toujours mieux que 0. C'est quoi cette merde? 3? 4! De toute façon, faut que je dégage. Ouais. On va de vrai. Bon, je vais laisser les autres en attendant. Ok! On a les 4 sieves. Il faut pas pour les hammers. Hein. Bon. On a les 4 sieves, il va me falloir juste de l'iron en fait. On va juste prendre tout l'iron sur nous et comme ça, moi, on sera fixé si on a assez ou pas. Il va me falloir 8 blocs d'iron. Que je repose les sieves. Hein. J'ai bien fait de laisser les sieves en diamant. En vrai de vrai. Oh! Ça va. Ok. Et ça, les hammers, il m'en faut 6. Hein. Les 12 plaques. Ok. Comment ça se fait que j'ai un hammer en diamant? Ah oui, parce que oui. On avait crafté il va falloir 6 diamants du coup. Attends, c'est combien un craft d'un hammer? Ouais, si. C'est bien ce que je pense. Par contre, c'est chiant, c'est que là il fallait faire un pain hein, du coup. Bravo. Hypoglave. Ah, mais non, il m'en faut 6, il m'en faut pas 4. Ok. Alors, maintenant qu'on a les machines, on va voir qu'on s'étape tout le bordel. Là. On va essayer de centraliser ça. On va dire qu'ici, par exemple, ça sera. De toute façon, ça va faire. Bon, je vais faire le gravier par là. On va faire ça, et puis on va faire genre la dust par là-bas. Sachant qu'ici, il y aura ça, comme ça. Ok. En gros. Si on a le saving. Putain, ils sont pas placés dans le. Ah. On a le saving. Si on a la mort. Si on a ça. Après, je câble. Hein. Je vais câbler par derrière pour l'arrivée de la cobble. Et puis ici, je vais câbler.
Que je laisserais pas un d'espace entre pour câbler, ce serait moins chiant. Non, ouais, si je fais ça comme ça va être trop chiant à câbler. J'utilise des couleurs. Ah oui, je peux utiliser des couleurs au pire, ouais. En gros, je fais tout derrière sans les déconnecter, j'utilise des couleurs. Et l'énergie aussi. Oui, l'énergie ça arrive après. L'énergie ça arrive après. Pour l'instant, je vais juste setup le tout. L'énergie à câbler, c'est le moins. Enfin, c'est pas le moins important, mais je veux dire, c'est le plus facile à faire en fait, tu vois. C'est le moins chiant. Dire. Si, quand il me restera plus que l'énergie à faire, hein, franchement, je serais content, tu vois. Parce que là, en gros, ici, on va voir. Certes. Ici, on va voir. Certes. On va voir. Extract. Always active. Sur un channel marron. Avec un input ici en marron. Avec un input en marron. Ici, on va insérer en vert aussi. Parce que ici, on a en output en vert. Donc, en gros, ce que ça va faire. Que ça va m'insérer la cobble et ça me sortira sur le channel merde, ça me sortira sur le channel marron en gros pour pas que ça aille ailleurs. Enfin, en vrai j'ai mis des channels mais c'est pas vraiment ultra nécessaire. Le seul truc qui pouvait arriver c'était que la cobble elle aille là-dedans. Mais il y a un putain de pigeon devant la fenêtre. Mais cassez-vous. Il y a deux putains de pigeons qui recoulent devant la fenêtre. Lui c'est cause bruit de mort. Et s'il rentre dans l'appart je les encule. S'il rentre dans l'appart je les encule. Ah mais il faut des hammers aussi. Attends, est-ce que c'est cassable les hammers? Non. Je crois pas, ils sont pas cassables. C'est l'énergie, c'est juste avec l'énergie tout. Si l'autre spawn, comment as-tu? C'est les arrodeurs. Ah quand les poulets, bah après ça. En fait, les poulets je les ferai après. Les poulets je les ferai après. Je les ferai après parce qu'il me faut quand même pas mal de ressources. En fait les poulets c'est pareil, je vais les faire sur une île, je vais faire tout ça. Là en vrai je fais mon petit système auto-saving pour avoir plein de choses. Parce que vous dites les poulets, vous dites les poulets, il va falloir pas mal de redstone pour setup tous les trucs des poulets. Moi j'en ai marre de sieve de la. J'en ai marre de sieve de la dust pour avoir ma redstone par exemple, ça me gonfle quoi. Donc voilà. Il faut pas mal de choses. Puis il y a des poulets que je vais pas avoir tout de suite. Les poulets ça se chie pas du jour au lendemain les gars. Les poulets, ouais en premier j'ai le poulet de la piste. Je vais avoir très vite le poulet de la piste. C'est un poulet à base de colorant, c'est très vite. Le sable je vais l'avoir très vite. Le nether quartz, tout ça je les ai déjà en fait. Donc c'est pas un problème. Ça c'est des poulets que je peux directement reproduire entre eux pour avoir du 10-10-10. Le souci c'est que quand tu vas vouloir avoir des poulets. Il est où mon poulet de redstone? Il est où mon poulet de redstone tout court? Là. Rien que quand tu veux un poulet de redstone déjà, tu vois que tu veux pas débloquer ma stand en fait, parce qu'il va déjà falloir faire quelques croisements. La redstone pour l'avoir. Il faut le sable et le rouge. Donc déjà il faut que je mette en 10-10-10 ces poulets là. Et ensuite. Wait, wait. Donc bon, c'est pour ça que c'est chiant les poulets. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, tu fais pareil pour le gold, tu fais pareil pour machin, tu fais pareil pour tous les poulets. Tu peux pas les avoir de suite en fait. Depuis 2 ans je fais ce que je veux, si j'ai pas envie de faire les poulets maintenant, je fais pas maintenant et puis nique. Nick, nick, nick. Oh yeah. Merci beaucoup Vélo Cramel. Autant sub, merci beaucoup. Comment vas-tu? Alors est-ce que pour les Chains Cube, tu veux un géant? Tu veux 5 petits? Est-ce que tu veux un géant chance cube ou 5 petits? C'est la question. Tu peux déjà faire le poulet de la piste, œuf plus la. Je sais Blacky, mais en fait ça sert à rien que je fasse les poulets de toute façon pour l'instant vu que j'ai pas tout setup et tout. Pour ça, là les poulets en vrai, j'ai juste envie de dire nick. Hein. Donc ici on est sur le gravier. Ah on est sur le sable. Donc là, process sable. Enfin gravier into sable. Du coup ici process cobble into gravier. Du coup ici, hop, donc derrière, bim, bam, boum, touc. Insert en vert, output en marron, insert en marron, output en bleu, insert en bleu. Je pense qu'on est bon. On a la cobble qui arrive, si ça output bien. En résultat en marron, il l'insère ici. Si c'est output bien le bleu, il l'insère ici. Parfait. Après, la récupération des minerais. On va te dire, je fous une crate devant. Quoi. Prends pas la tête. Hein. Alors, ça après. Et donc, ici, le dernier. Merde. Ok. Comme d'hab, hein. En extractant R,
En input en vert, en extract en marron. En input en marron, en extract en bleu. En input en bleu, en extract en violet. Et en input en violet ici. Parfait. Bon alors après il nous manquera plus qu'à mettre évidemment les hammers, il nous manquera plus qu'à mettre les mèches. Les mèches, il va falloir qu'on les enchante, donc il va falloir pour ça que je fasse une table enchante, il va falloir que je fasse des bibliothèques, il va falloir que je fasse beaucoup de choses. Faut que je les craft surtout en fait. Parce que là il va falloir 3 mèches en diamant. Alors au pire les mèches en diamant elles sont là-bas, au pire j'en taxe là-bas. Mais j'aimerais bien les garder parce que de temps en temps on sait jamais, imagine qu'à un moment il manque une ressource spécifique ou autre que je veux avoir. Attends, tu vois. Normal que MC crash avec le modpack. Oui, ça arrive de temps en temps. Ça peut arriver de crasher à ta mort. C'est du modé, hein. Le modé, crois-moi, c'est. Ça arrive, quoi. T'as des name tags pour renommer les petits mexicains? Ah, je sais pas. Je sais pas, je crois pas. Je peux pas faire un. Je sais pas si ça marche. Attendez, je vais regarder si ça marche. C'est quoi qu'il nous faut? Il faut qu'on enchante. Il nous faut quoi? Il nous faut. Comment ça sieve le coffre aussi? Comment ça sieve le coffre aussi? Tu veux pas l'avoir, tu peux pas les avoir via Endorayo, hein, les gars. Tu peux pas les avoir via Endorayo. Si je clique dessus que j'ai rien, si je peux pas les avoir via Endorayo. Non mais tu passes juste. En fait, regardez. Mèche. Une mèche quand tu l'enchantes peut tomber sur tout ça. Bon pas sur Curse of Vanishing, ce n'est pas enchantable. Tu peux tomber sur Replant, Soulbound, Sea Efficiency, Sea Fortune, sieve le code aussi. C'est tout. Donc au final. C'est très simple à obtenir ton Sea Efficiency et ton Sea Fortune. En vrai. Le truc c'est qu'il faut avoir les deux. Donc après, je vais en enchanter masse. Et au pire, si je vois qu'il y en a un, il y a un enchantement en trop. S'il y en a un, il en manque un. Je vais en prendre sur d'autres. Je vais les désenchanter avec ça. Et je vais les combiner, tu vois. Au pire. S'il y en a où ils en manquent, bah je rajoute les enchantes par-dessus, quoi. Je prends pas la tête. J'ai XP infini en vrai. Enfin, j'ai XP quasiment infini parce que. Le truc c'est que j'ai pas mis beaucoup de stockage d'XP vu que j'ai pas mis d'upgrade. Wait. Nick. Oh Nick. Voilà. Comme on est safe. Que ça crache quand tu lances le modpack. C'est. T'as vérifié que t'avais bien loué assez de RAM? Que t'as loué assez de RAM à ton jeu? Si ton jeu n'a pas assez de RAM, c'est normal que ça puisse crash. C'est même pas normal que ça puisse crash, c'est normal que ça crache tout court en fait. C'est même pas que ça puisse, c'est juste que ça va crasher en fait. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses. Si le jeu il a pas assez de RAM, au bout d'un moment il va te dire fuck s'il arrive pas à charger les fichiers et tout, tu vois. Donc voilà. Ok, donc le câblage est fait. Pour la sortie des items, on fait ça comment? Je câble comme un gros dégueulasse devant, mais du coup ça me cache le truc. Ou je câble. Moi je câblerais bien. Ouais, mais si je câble ça par en dessous, ça va être une horreur à configurer. Ou sinon, je câble là et là. Et je mets une crate là et là. Et comme ça, on voit. Comme ça, ça me split les items. Déjà, ça met pas les mêmes. Et puis je vois les Gugus là. En vrai. En vrai, je vais faire ça comme ça. Hein. Récup par le même câble, ouais, mais j'ai pas envie de mettre en fait les items dans le même truc. J'ai pas à avoir les mêmes trucs, tu vois, donc bon. Ah, par le même câble dans une autre couleur. Pire. Au pire, je les mets derrière sur les côtés. Au pire du pire. Du coup, ici on aura un extract en bleu. Ici on aura un extract bleu. Ça va me le mettre dans le même truc après, bon. Ou alors lui, je l'extracte en violet pour pas qu'il me mette dans la même merde que l'autre. Et ici, je mets un input en violet. Et je mets ma crate ici par exemple. Je mets ma crate là. Je mets ma crate là. Bon, on peut faire ça. Hein. On peut se faire ça, écoutez. Alors qu'est-ce qu'il va me falloir pour faire la crate là? Il va me falloir beaucoup de coffres et du bois. Déjà du bois. On va en mettre à côté. Voilà. Et des coffres. On va en prendre et puis on va en crafter. C'est la vie des coffres. F. Ok. Bah ça tombe bien, il fallait 4 crates.
La torche devant la crate, ça me gonfle. Ça me gonfle à un point. Parfait. Et du coup, ici on est sur du input à violet. Voilà. Ici on est sur un input marron. Bleu. Bleu. Oui, j'ai dit par contre. F. Ici on est sur du input comment du coup. On a déjà du marron, on a déjà du bleu. On partira sur du violet. F. Et ici on sera après le violet. D'ailleurs sur du chiant. Toujours plus hein. Parfait. Et du coup j'aurai mes ressources qui vont arriver comme ça. Et oui, c'est assez compact en vrai hein. En vrai c'est assez compact hein. Alors pourquoi j'ai de la cobble? Ah oui, j'ai de la cobble qui est arrivée parce qu'au début j'étais en vert hein. Bref. Il point glave. Économie de câble, oui, économie de câble. Économie de place, économie de plein de choses quoi. Plus qu'à alimenter, ouais. Enfin, plus qu'à alimenter. Plus qu'à avoir les mèches enchantées. Plus qu'à avoir ça rempli, tu vois. Toujours plus, mais toujours trop peu. Qu'est-ce qu'il dit? Mais du coup, attends, j'ai pas vu la réponse par rapport aux hammers. Est-ce qu'ils sont cassables? Ou est-ce que juste je mets un hammer en diam, c'est plus fuck it hein. Genre, je mets juste un hammer en diam, c'est comme ceux que j'ai crafté pour les faire. Et c'est tout. Je comprends pas. Ah, les hammers sont facultatifs. Alors, sans hammer, ça marche? Ah, ils s'usent, mais pas obligatoire. Mais ils servent à quoi du coup? Juste plus rapide. Ok. Ouais, mais il faut. En gros, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait derrière avoir une autoproduction de hammer avec des sticks, avec machin, avec un autocrafter. Nick. 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 Bah, faut que je me fasse un petit table d'enchant. Alors, je vous avoue que j'ai aucune idée d'où mettre ma table d'enchant par contre. Tiens, ma table d'enchant, je vais la foutre dans le coin là-bas. Hein. Ma table d'enchant, je la fous dans le coin ici maintenant que j'ai plus tous les sieves. Enfin, je dis que j'ai plus tous les sieves, mais en vrai, si, mais en vrai, j'en ai besoin des sieves en fait. Bah, est-ce qu'il y a des choses qui sont obtenables uniquement là-dedans que je vais avoir besoin après? Au pire, j'en mettrai ailleurs, hein, puis voilà. Là, je sais pas où la mettre, la table d'enchant en vrai. J'ai vraiment pas où la foutre. Bah, plus tard, faire des combats d'hammer. Ouais, plus tard, je pourrais. En fait, le truc, c'est qu'au moment où j'aurai vraiment la ressource pour avoir le charbon, pour avoir tout ça, et pour être tranquille et pouvoir faire de l'auto. Des trucs, mais en compressé. J'aurai les poulets en fait. C'est ça le délire, c'est qu'au moment où j'aurai tout ça, j'aurai les poulets. Je vais pas me prendre la tête en fait. Je sais pas ce que je pourrais faire en même temps que je ferais les poulets en vrai. Parce que les poulets, le truc, c'est que j'ai pas AFK devant H24. En fait, j'ai pas les regarder juste baiser et puis voilà. Je sais pas ce que je pourrais faire pendant que je fais les poulets. Comme mode. Je suis pas sûr qu'on pourrait partir. Parce qu'en termes de ressources, ça sert à rien que je fasse du mythique à l'agriculture et tout en même temps à côté. Ça servira à rien, ça sera juste overkill pour le début. Applied, j'aurais pas encore l'énergie et tout ça. Un mode long, pourquoi pas, au moins ça occupe longtemps. Non, mais au pire, pendant que je fais des poulets, je peux faire des modes d'exploration ou autre, tu vois. Je peux aller faire un petit peu de quête dans. Alors, Twilight, ça me gonflerait, autre chose. On pourrait aller faire un petit peu d'aider, on pourrait faire un. Sérieux, j'ai pas débloqué? Bon, ça. Ah non, parce que j'ai pas les graines Infinity. Et je les aurais ça du coup avec l'auto-sieving. Comment ça fait une génération d'énergie? Génération d'énergie, j'attends d'avoir les poulets Ptos pour le faire. J'en ferai une avec les poulets en fait à production d'énergie. Pour ça. Parce qu'en vrai, en fait, une fois que les poulets seront un poil à développer, on pourrait commencer à faire un petit peu tout ce que je veux en vrai. On pourrait commencer à faire un petit peu tout ce que je veux, avoir un autre apport de ressources par exemple si jamais je veux faire, je sais pas, du laser truc. Je pourrais avoir. Ou alors pire, je pars directement sur environnemental tech, mais c'est moins drôle.
pourrais faire une production d'énergie. Après, je commencerai le stockage d'énergie avec mécanisme. On aura mécanisme à faire du coup pour le stockage d'énergie. Il faudra qu'on fasse des tours d'évaporation et tout pour avoir induction matrix. Puis plus tard, on partira sur Draconic Evolution. Non, mais en vrai, il faut juste falloir que je m'organise dans l'ordre de ce que je veux faire, quoi. Il faudra que je m'organise. Après, il faudra que je m'organise aussi. Où c'est que je vais vouloir mettre mon Applied, où c'est que je vais vouloir mettre machin. Je ferai une plateforme en dessous avec mon Applied et toutes mes machines. Est-ce que je ferai d'autres îles avec tout mon bordel? Est-ce que je déplacerai des structures? Je pense qu'après je verrai téléporteur under IO quand un petit peu tout le monde ce qu'il a fait, c'est vraiment pas mal ça pour se développer, déplacer d'île en île. Et les poulets je pense les faire sur une île à part. Hein. Je pense que les poulets je vais les faire dans une sphère. Hein. Les poulets on va se les... Je vais faire une grande sphère pour les poulets. Et puis. Alors au début les poulets j'ai peut-être développé ici. On va peut-être trouver un petit endroit pour les développer les poulets tôt, ça l'arrache là. Le temps que je construise la sphère. Et une fois que j'aurai fait la sphère, comme ça il y aura un téléporteur sur la sphère. Moi je mets un téléporteur on va dire vers le milieu ici. Je peux me TP dessus. Donc il y aura l'endroit où il y aura mes poulets, je ferai un endroit où il y aura mon apply, je ferai un endroit où il y aura machin, un endroit où il y aura mon énergie. Et puis on verra. Il faudrait un poulet à RF. Il n'y a pas ça les gars. Ouais, il n'y a pas. Là, ce qu'il me faudrait déjà c'est des caps d'énergie. Ce qu'il me faudrait déjà c'est des caps d'énergie. Donc on va prendre un petit peu de redstone. Je vais prendre 15 de redstone. Prendre 15 d'iron. Ah, les petits caps d'énergie. Bon, pour l'instant, je reste encore sur ces caps tout claquos. Hein. Je pense que. Ouais, une fois qu'on aura une nouvelle production d'énergie, de toute façon, on sera obligé de passer sur des nouveaux câbles. À voir si on passe pas directement sur par Flux Point ou tout comme ça, mais bon. Je me faire chier avec Flux pour l'instant. Je sais pas comment ça marche en plus. Ah, mais j'ai même pas vu en fait tout à l'heure s'il avait répondu par rapport au Chance Cube. Il a rien dit le pot. Le Cranel il l'a réveillé, il a dit salut. Et il a rien dit d'autre le pauvre. Luxentoir c'est pas chiant. Et l'anneau pour fly. Ouais alors l'anneau pour fly je me dis qu'en fait au pire je fais un mur draconique évolution et puis je fly aussi avec quoi. En fait l'anneau pour fly il va me servir à rien si jamais j'ai juste des téléporteurs et des plateformes quoi. Pas me servir à grand chose quoi. Flux est super facile. Mais en fait, Flux ça marche comment? C'est ça la grande question. C'est Flux, comment ça marche? Et comment tu câbles avec Flux? Merci beaucoup Blood Shadow, pour ton sub. Comment ça va? Comment as-tu? Vu qu'il a rien répondu, ça veut dire 5 géants, non? Non, c'est un géant ou 5 petits. C'est sans fil, je crois. Un point et un contrôleur qui relient les trucs entre eux. Câble pas. Donc en fait, tu mets que des points et que des trucs. Parce que Pierrot, par exemple, lui, il a un champ de panneaux solaires et dessus, il a plein de trucs. C'est quoi les trucs qui sont dessus? C'est un petit peu comme s'il est full power cell, par exemple, quoi. Et du coup, Blechado, tu veux quoi? Tu veux 5 petites chains cubes ou tu veux un géant? Tomcraft, pendant que tu fais les poulets. Ouais, Tomcraft, j'aurai jamais la foi de faire en fait. Je pense que Tomcraft, sur ce mode pack là, je vais juste te dire non. Je sais pas. Après, en même temps, je dis ça. On a les compact machines sur le mode pack. Un géant? Non. Un géant. Ok. On a les compact machines sur le truc. Au pire, je peux faire Tomcraft dans les compact machines comme j'ai fait sur machin. Je peux me faire une petite île Tomcraft. Hein. C'est vrai qu'au pire, on peut essayer de faire un petit peu de Tomcraft en même temps qu'on se fera. On se fera les poulets. En plus, ça me permettra d'avoir la time bottle. Mais pour ça, il faudrait que je fasse Botania aussi. Attends, parce qu'il me faut un liquide d'Abyssal Craft. Bon, alors, mais niquez-vous. Niquez-vous cordialement. Comment t'as du corallium? Comment t'as du corallium? C'est quoi? C'est un liquide qu'il y a dans le monde d'Abyssal Craft? Bah, c'est un liquide que t'as avec Abyssal Craft?
Ah oui, je me doute, c'est la bicelle grave. C'est con comme question, mais tu chaud dans quoi? Point égale mettre l'énergie dans les machines et plug égale sortie de RF. Donc en gros, tu mets tous les plugs sur tes solar panels, tu mets tous les points sur tes machines et c'est terminé. Genre, tu touches la vitre et c'est bon. C'est complètement débile. Le corallium, c'est l'eau corrompue par la bicelle. Ok. Et il y a une technique pour en trouver? Mais il y a un monde avec la bicelle grave ou pas? Ouais, donc on va dire que la première quête c'est l'antimatière ou c'est quoi le truc là? Abyssal a des dimensions, il y a 3 dimensions à Abyssal. Vous savez que ça me donne vraiment pas envie ce mode. C'est que ce mode il me donne vraiment pas envie là. Hein? Mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix parce que moi j'ai envie de l'avoir cette time bottle. Alors soit on me la donne comme Aipierre, comme on a fait avec Aipierre. C'est pas drôle. Bon, et Diamond Nugget. En fait, ça là c'est de la merde. Ça, bon, c'est du Botania tout la cause. Ah, il fait quand même les lunes. Et il fait quand même le portail. Fait... Faire une petite sphère Botania aussi. On en fera une plus petite si on fait une sphère Botania. Botania, si on fait, on fait une toute petite sphère. Plus petite que celle des poulets, quoi. Je veux dire. Ouais. C'est bon. Et ça, c'est du Tomcraft. C'est du Tomcraft. Il faut avoir un petit peu avancé dans l'ingénierie, je crois, pour ce craft. D'ailleurs, c'est chelou que je puisse le voir. C'est pas les crafts que t'es censé voir qu'une seule fois que t'as avancé un petit peu dans les recherches, ça? Quand même, le bras, c'est un truc que tu vois qu'après, non? Des vagues souvenirs de Tomcraft. Je pense que ça se voit. Ça se voit que c'est encore flou hein, dans ma tête. Hein. Bon, bref. Donc, en gros, quand on fera les poulets. On essaiera de mixer un petit peu le tout pour faire de la time bottle le plus possible en même temps. Ça nous aidera pas mal pour les poulets et pour la suite en fait. De toute façon, les poulets en vrai, il y en aura tellement à faire que si j'ai pas la time bottle, je vais me suicider. Donc bon. Donc il faudra qu'on fasse du Botania, du Tomcraft et de la Bicellcraft en même temps et ça sera absolument de la merde. Tu peux aussi aller traire la vache dorée. Comment ça? Auré, il a une vache à. À liquide antimatter. Alors, du coup, on fera que Botania et que Tomcraft. Non, mais c'est bien comme ça. Les personnes qui aiment la magie auront de la magie. Bon, là, c'est cool. Merci pour le host. Oh. Survivaliste chez Cezio. Hein. C'est chez Cezio. Cheat. Ah, c'est pas du cheat, c'est du financement participatif. C'est marrant, je sais. Oh. C'est ma meilleure copine du coup. Mais attends, il a carrément du liquide corallium. Non, mais en fait, il s'est fait les meilleurs vaches au monde. Humateur. Ah ouais. Ah ouais. Eh, ça se met bien ici, hein. Ah, ça a sélectionné les meilleures vaches. Hein. Et comment il y a eu des vaches là-dedans du coup? Il allait chercher dans un biome océan, il allait les reproduire, il a fait un truc spécial. Et des vaches de liquide, en fait les vaches de liquide tu les spawn dans les océans. Donc si t'as une île dans un biome océan, elles ont été spawn. Elles ont spawn au spawn. Ah elles spawn au spawn et du coup il les a ramenées. Ah un petit bêtard. Petit bêtard. Oh, c'est vachement stylé chez eux en tout cas, en vrai. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ici? Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? C'est quoi? C'est du raffinement de minerai ça? C'est que ça? Pourquoi ils ont de l'oxygène et tout? Non, c'est de l'éthylène ça. Mais qu'est-ce qu'ils font avec l'éthylène? Biofuel? Non, parce que j'ai fait de l'éthylène pour un truc la dernière fois. C'était pourquoi que j'avais fait de l'éthylène? C'était pour du plastique, non? Ouais, c'est le plastique de Mecha, on est d'accord. Hein. C'est le. Truc de mort. De mort. Et ça c'est quoi ça? Donc ça vraiment c'est un truc de flux, mais ça sert à quoi? J'imagine que ça c'est un stockage, c'est écrit dessus. Mais le contrôleur qu'est-ce qu'il fait? C'est le point central du réseau. C'est celui qui va contrôler tout le réseau flux après. C'est si t'as pas de contrôleur tu ne peux pas faire de flux. Oui. C'est un petit peu comme le ME contrôleur en gros quoi. Faut alimenter le contrôleur, s'il a pas d'énergie il fait rien. En fait il donc en gros en fait lui il capte tout le wifi. Et après il retransmet quoi.
le hub du réseau. Mais alors, question con, pourquoi ils ont ça s'ils ont pas de trucs? Alors, il y en a nulle part. Ah si, il y en a là. Flux Point. Donc lui, il amène des rêves dans la machine. Et elle est où la production d'énergie? Mais c'est pareil. Flux Point, ça amène des rêves dans les machines ici. Ah, ok. Et voilà les translocateurs. C'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire ça? Ouais, peut-être que ça permet d'étendre le réseau, je sais pas trop. Alors, un autre monde, apparemment sur l'île. J'essaie d'énergie. Oh, Omnit, il je spoil. Hein. Pire, fermer les yeux. Hein. Ah, il y a un petit peu d'upload. Quand tout en live. Bon, bah, comme ça, pas de spoil. C'est trop stylé quand c'est coloré ça. Ah, c'est vraiment sympa leur truc. Hein. On a toujours pas trouvé la production d'énergie, mais. Ou alors ça serait là-haut dans les bâtiments. Regarde ta fourrure le matou. On a pas l'air d'être là-haut. Hein. On va dire de la merde, hein. C'est sûr. C'est une prank. Ou alors c'est là-bas qui a leur production d'énergie sur une autre île. Les abeilles de François. Oh. Ça c'est tellement un truc qui me perd les abeilles. Alors autant moi je me sentais ultra fort là quand j'ai réussi à faire 2-3 abeilles sur Modern Skylock. Autant là je suis perdu. Ah mais ça c'est quoi? C'est toutes les modifications génétiques, c'est tout ça en fait. Celle-là il. Oh. Tellement la mort. Mais en vrai c'est en vrai ça doit tellement être intéressant comme mode à faire. Genre ça va tellement être cool comme truc à faire. Et tellement la mort. Là il a les Industrious. Ah et puis en plus il est encore vraiment aux abeilles de base avec les Industrious. Il va chercher à faire quoi avec ça? Il peut faire de la draconique après avec ça. Les Industrious normalement c'est ce qui te permet après de partir sur du fer, sur tout ça en fait, non? Ou alors j'ai de la merde. Ah si c'est ça, t'as le ferrous. T'as le truc de copper, t'as le truc d'aluminium, t'as le truc d'ardite, t'as le truc de je sais pas trop quoi. Ok. Et comment on va. Et qui c'est? Portal Void. C'est ça le monde du vide? C'est là-dedans qu'ils ont l'énergie? Le truc qui vole au fond sur la production d'énergie. Ça? Clic. On ira voir après. Une production d'énergie, ça c'est un truc de poulet. Secours! Secours! Ah ou alors ça là-bas? Ah non, c'est les gardiens de cloche. Pourquoi ils font autant de trucs? Ah, bah non, c'est peut-être pour avoir des graines, ça tu me diras. Non, mais c'est pareil. Ou alors c'est ça leur production d'énergie? Oh la chatte. Oh la chatte. Culinary Generator. Mais non, mais ça c'est pareil, ça c'est pour des. Ah si, 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 c'est pour énergie. Comment ils ont full Domino Pizza? Ah, ils autocraftent ça? Et du coup, avec ça, ils produisent 126 000 RF. Avec une pizza à 100 rêves particules par générateur. Donc là en gros tu prends 10 générateurs, il y a 1000 rêves particules. Ah, ok. Ok. Oh, c'est sympa leur truc. Ils sont à quasiment 10 000. Ça marche. Ah et si tu reviens là. Donc ils avaient un portail carrément pour venir au centre en fait depuis ici. Outre le portail mécanisme qu'ils avaient quoi. En vrai quand tu t'y connais pas ici faut se repérer quoi. Parce que attends, ils ont le portail du Nazor du coup l'intérieur c'est ça. Ouais. Ok. Bon bah en tout cas on sait que maintenant pour la time bottle le liquide en vrai le liquide je pourrais même le prendre maintenant. Je vais prendre mon liquide, je vais le prendre maintenant le liquide comme ça plus besoin d'y penser très tranquille. Attends c'est par où leur base? Par là-bas. Pour l'avoir. Ah ouais. J'ai failli faire cramer le cul par les armes.
Du coup, elle est où la wachounette? Il y a l'ascenseur devant la plaine, non? Ah ouais? Ah ouais. Ah donc il y aurait un truc dans l'île. Ils ont caché tout leur appareil dans l'intérieur, les petits bâtiers. Et en plus je sais même pas que c'est leur appareil. Alors si, je peux voir ce qu'il y a dedans. Je ne saurais vous dire exactement ce qu'il y a quoi. Enfin je ne pourrais prendre dans l'intérieur quoi. Et pourquoi ils ont les... Non je peux même pas cliquer dessus. En vrai. En vrai. Mais tard. C'est parce que c'est claim que je peux cliquer dessus je pense. Non c'est parce que c'est claim que je peux pas interagir avec. Ouais zone des claims c'est pour ça. Pourquoi il y a des items ici? Ils ont bloqué le truc. Non normalement la sécurité, le saut de café c'est que tu ne peux pas piquer dedans. Pierre il a aussi une sécurité. Et je peux ouvrir son applied. C'est pas claim mais je ne peux pas piquer dedans tu vois. Ah c'est des raccourcis. Ok. Ah, mais c'est trop bien en vrai. Donc là par exemple je vais mettre un raccourci sur la time bottle si jamais je veux regarder ce que c'est. Attends il faudrait que je mette des raccourcis sur les trucs que je regarde à 24. Y'a quoi que je regarde souvent? En vrai je peux mettre un raccourci sur les câbles à faire. Ça marche pas. Pourquoi ça marche sur les items de mort? Ou alors ça... Faut que t'en aies plus d'un dans l'inventaire en fait. Vu que c'est la même touche que drop. Les poulets. Non mais tu rigoles mais ça y est il va me falloir. Non, ça le roost, c'est quoi le truc qu'il faut? Chicken non? Chicken brother? Ça va me falloir. Et ça pour les poulets qui sont à faire? Nice. Ah, si j'avais su... En vrai, si j'avais su qu'il y avait ça dès le début, ça aurait été trop fat. Bon, allez. On a notre liquide, on va revenir chez nous. Chicken Nest, Roast, Breeder et Roast Collector. Roast Collector, j'en aurais pas besoin pour le début. J'en aurais pas besoin pour le début. Ok. T'as 4 pour la quête hein. Ah mais la quête j'ai déjà faite. Ouais. Si bon c'est bon. Ok. Encore ok. Donc maintenant, il nous faut une table d'enchant. Il nous faut une table d'enchant. Est-ce que j'en ai récupéré une depuis la dernière fois? Non 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 non. Bon on va en crafter une hein, c'est pas grave. On a des diamants, on a des bouquins, on a un petit peu tout ce qu'il nous faut pour les faire, donc c'est pas vraiment un problème. Mes bouquins. Je suis aveugle quoi. Y'a pas de bouquins là-dedans. Pas de bouquins là-dedans. Y'a des bouquins là-dedans. Non, c'est juste pas que j'avais mis des bouquins. Mais pourquoi j'ai mis des bouquins dans le. J'ai mis des bouquins dans le truc de mes ressources. Enfin, dans le truc de mes blocs. Bref. Comment c'est poulet? Non, je finis l'auto-saving. Fini l'auto-saving et ensuite on pourra s'attaquer un petit peu au poulet. Ouais, bah là le problème c'est qu'il y a un fort de la bibliothèque. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller explorer un petit peu. Dans le monde minage, on va chercher des villages. Possible d'aller avec des bibliothèques. Comme ça, on va taxer des bouquins sans se faire chier en crafter. On pourrait en faire avec des cannes à sucre, mais pff, en vrai, autant explorer un petit peu. Autant explorer un petit peu. Ah, puis il fait nuit, c'est parfait. Parfait, c'est parfait. Je sais pas si j'ai désingué le village là-bas ou c'était un autre village que j'avais fait. Ici, ce que j'ai fait. Alors, non, je crois même pas. Attends. Ouais, si par là, j'y suis allé. Hein. Y a un autre village au-dessus. Un... On va déjà faire les trois villages là.
Alors, est-ce qu'on a une maison à bibliothèque par ici? Bon, pour les rien. Je sais plus à quoi elle ressemble de l'extérieur, la maison à bibliothèque en plus. Ça peut être évident de la trouver du coup. Il y a quoi là-dedans? La bouffe? La bouffe? Par là-bas, c'est la forge, mais normalement, j'ai déjà fait. Dans le doute, je vais les vérifier. J'ai fait. C'est quoi le mieux entre les poulets et les missiles à l'agriculture? Ça dépend en fait. Ça dépend de plein de choses. Poulet, l'avantage, c'est que t'as pas besoin d'énergie. Poulet, c'est tu le poses, tu le fous sur un stockage et t'as directement ce qu'il te faut sans devoir passer par des autographes ou autre. Le problème des missiles agriculture, c'est qu'il te faut de l'énergie pour pouvoir récolter. Parce que mine de rien, bon bah il faut quelque chose, faut automatiser la récolte en fait, hein. Des graines. Derrière, ça te donne des essences, ça te donne pas les crafts directement. Ça te donne pas les ressources directement, donc faut avoir un autocraft, soit tu passes par un petit autocraft de RF Tool. En fait, moi ce que j'avais fait, c'est que genre à chez quoi, je crois que je faisais genre 4 champs avec un crafter, de la façon dont on l'a disposé, et puis du coup. Je faisais pas chier en fait, à chaque fois les essences ça les arrivait dans le crafter, je les repassais après en bloc et puis après j'envoyais directement dans mon applied. Mais bon, c'est pareil, ça coûte de l'énergie quoi. Ça prend beaucoup de place aussi par rapport au poulet. Tu dois faire un champ par ressource, t'as pas fini quoi. Faudra un autocraft pour le gold. De quoi Blacky? Ah ouais, mais c'est qu'il y a plus de choses, je sais pas. Ça dépend. En vrai, là, les poulets, pour le coup, quand tu regardes, il y a quand même énormément de choses. Hein. Là, les poulets, il y a quand même énormément de choses. Hein. Tu vois, t'as le poulet draconium, t'as le poulet d'awakening draconium, après, t'as plein de poulets pour toutes les gemmes, si jamais tu as besoin des gemmes, t'as même des poulets de butonium, de cyanide, de yellorium, de graphite, de machin. T'as quand même des poulets assez avancés, en vrai. Après, ça dépend des modes pack. Mais là, pour le coup, t'en as plein de très avancés. Des poulets de terra steel, tout ça, donc c'est cool. Là par contre, où je crois qu'il y a pas, c'est genre des poulets pour tout ce qui va être Wither Squelette. Hein. Je crois pas que t'en aies. Du coup, tu peux pas avoir des poulets pour Nether Star. Hein. Y'a pas l'air. Hein. Parce que attends, Mystical, pour le coup. En gros, t'as toutes les graines là. Plus toutes les graines là. En fait, t'as toutes les essences ici. Les essences là que tu vois à partir de ça, de là, de cet item là à celui-ci, c'est tout ce que tu peux avoir avec Mystical là-dedans. Donc bon, tu vois, tu peux même avoir du corallium, tu vois, de la bise. Je sais pas si tu peux avoir du corallium avec les poulets par exemple, tu vois. C'est vrai que là aussi t'as Terra Steel. Voilà. Peut-être. Il y a peut-être des choses que t'as avec les poulets que t'as pas avec Mystical Agriculture, il y a des choses que t'as avec Mystical Agriculture que tu n'as pas avec les poulets. Comme ça. Il faut combien de bibliothèques du coup? Il m'en faut 15, là je peux en crafter un petit peu, crafter 7. Ouais, je peux en crafter parce que j'ai la base, j'en ai pas 21. Et même pas 24 non plus. On va aller voir le prochain village où il se situe. Normalement, ok, il est plus à gauche. Ouais, bien, c'est d'Agricraft et les vaches là. Ouais, après, moi, Agricraft, je suis moins fan que Mythic Agriculture, tu vois. Vu que t'es obligé de passer par les crops, etc., c'est un petit peu chiant. Surtout que tu ne peux pas récupérer de graines en plus. Après, bon, ça se spread toute seule, tu me diras, mais. Ouais, ça se spread toute seule en fait, donc ça change rien. C'est quand même Mythic Agriculture au final. Non, je sais pas, moi, je suis. Puis je préfère la texture, tu vois, des graines de Mythic Agriculture pour le coup. Toujours utiliser ça, j'ai jamais été très fan d'Agricraft. En plus, tu dois te faire chier à les EP en 10-10-10, etc. Hein. Je pense que ça produirait plus, c'est vrai que vu que tu peux avoir jusqu'à du 10-10-10, je pense que ça doit produire plus que Mystical Agriculture, pour le coup Agricraft. Et encore, hein, je connais pas les ratios donc ça se couche, j'ai de la merde. Mais ouais, je préfère. Pas la bonne maison. Pas de bibliothèque ici? Eh, attendez, il y a peut-être la vitre de. Est-ce qu'il y a la vitre d'Actu Edition? Ah non, mais ça c'est pas Actu Edition, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Hein. Par contre, il y a la forge. Les mix Agricraft Mystical est pété. Ouais. Bon, Dex Steel je prends, Iron je prends, Electrical Steel je prends, Black Quartz on prend, tout ça on prend. La bouffe on la prend aussi, Basic Machine Frame on prend. Et en vrai il était pas mal ce coffre. Hein. Il était pas mal, surtout point de vue de Dorayo, il était vraiment en fait. Hein. Pas mal de ressources, c'est cool. Hop, on récupère aussi. C'est quoi ces PNJ? C'est les alchimistes.
Quitting. Ouais, je pense pas qu'il y ait des biotech dans ce village. Moins d'avoir loupé la maison, mais j'ai pas l'impression. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'explorer. On va continuer d'explorer, on va partir par là-bas. On va partir vers l'ouest. Bois traité. Je pense pas à faire immersive. Donc, je vais pas prendre de bois traité, il me sert à rien. Merci, je pense vraiment pas le faire. En fait, là, immersive, je le fais sur les modpacks où en early, t'as pas forcément beaucoup de production d'énergie, que c'est toujours cool et que c'est très accessible en termes de ressources. Pratique pour le style, pratique pour tout ça. Là, pour le coup, je suis pas limité en ressources et je le fais aussi sur les modpacks où t'as des bouquins de quêtes et où t'es obligé de suivre les quêtes pour pouvoir avancer le modpack. Lunatica, Modern Skyblock, là-dessus, t'es obligé de faire immersive. Et voilà, c'est ce genre de modpack que je le fais. Je l'ai fait sur Fire Force Rendred par exemple parce que bah. Très simple à faire au début, t'as pas vraiment le choix en plus de le faire. Bon. Sinon t'es assez limité en fait avec Immersive en vrai. Piquer la Tensube chez les pierres, ça se verra pas. Bon, je pique déjà le lapis donc c'est beau. Les Tensube, je peux pas lui piquer parce que c'est dans son Applied hein, et qu'il a sécurisé son Applied. Par contre son lapis, je peux lui carotte. Là, ça pose pas de problème. Y'a pas de village par ici, c'est quoi cette arnaque? Y'a plus de village. Bah si. Je pense que je fais encore deux villages. S'il y a pas de bibliothèque sur les deux villages, il y aurait de crafter les cuirs. Enfin les bouquins, je me démarrerai pour crafter des bouquins. Plus setting Iron Ingot, vibrant Iron Ingot. Ouais. Oh les pommes, je peux pas les prendre parce que j'en ai à l'infini. Quand même pas déconner. Ah, y a pas de bibliothèque là-dedans. Y a peut-être dans les maisons là-bas. Je pense qu'au vu des maisons qu'il y a là-bas, il y a peut-être moyen d'en avoir. Bien dit peut-être. Je pense pas que là-dedans t'en es. Hein. Non, y a pas de maison. C'est le problème en fait du modé. C'est que t'as tellement de maisons différentes que tu peux avoir dans un village. Forcément, ça réduit tes chances d'avoir celle avec la bibliothèque. Vu que le village est assez limité en termes de taille. Fais un petit peu carotte. Ouais, de blanc pattern plus une ficelle et plus trop papier, t'as un livre. Ouais, je sais, mais du coup, il faut quand même pas mal de papier pour avoir le livre. C'est juste ça qui m'emmerde un petit peu. Ah, oui, il y a un petit peu. Hein. On profite pour récupérer un petit peu de slime ball, je trouve que ça fait. Pas de mal de craft qu'on en a besoin à chaque fois, donc bon. Je peux gratter. Après, j'ai la sapling à slime ball en vrai. Hein. J'ai la sapling à slime ball, après, en vrai, à tout moment, je peux la poser. Pas un souci, mais bon. Sage Cassiro, comment vas-tu? Attendez, parce que j'ai l'air un petit peu rempli de conneries. Ah, l'XP, je vais la prendre directement sur moi. Ça me monte niveau 30, comme ça, je pourrais faire mon petit enchantement de pour la saves. Bien, et toi, cette chaleur? Ça va, c'est un peu plus agréable. Enfin, c'est un peu plus supportable qu'hier. Je vais pas dire agréable, c'est clairement pas. Mais non, c'est plus supportable qu'hier en vrai, la chaleur là. Ah, ça passe. Dehors il fait bon en vrai. Dehors, je pense que là dehors il fait plus frais que dans l'appart. Dehors il fait un 30 degrés, il fait bon, il fait vraiment bon. Il fait meilleur qu'hier. Hier je suis descendu, j'ai cherché des fins. Putain, la poignée de la porte de l'appart, les gars. J'ai pas réussi, j'ai même pas su la tenir le temps de fermer la porte en fait. J'ai même pas su la tenir le temps de fermer la porte, ça me cramait juste la main. Parce que la porte a donné sur le soleil en fait. Enfin, le soleil tapait directement sur la porte, sur les poignées. Et c'est les poignées, vous savez, c'est les poignées des vieilles portes hein, un petit peu. Du coup, tout en bronze, tout comme ça quoi. Puis qui te nique bien la main quoi. Enfin, le truc qui te nique bien la main, le truc qui retient surtout bien la chaleur quoi. Bon, alors là par contre, vu la taille du village, si jamais il n'y a pas de bibliothèque, hein, la carotte. Eh, attends, il y a un coffre là-dedans. Il raboule le coffre.
merde. C'est de la merde, c'est de la merde. Hein. D'ailleurs, c'en est où des boss tout ça? Ah, mais c'est Itsu le boss. C'est Itsu qui était devenu boss. Et vu qu'il était modo, il peut pas être VIP. Chret. Oh, la bibliothèque! Oh, la bibliothèque! Ça, on prend. Mais casse-toi! J'arrive pas à rentrer. C'est quoi ces conneries? C'est bon. Mais ouais, non, sinon, à chaleur, ça va. Puis demain, de toute façon. En fait, aujourd'hui, on a perdu plus de 10 degrés par rapport à hier. Demain, on va encore perdre 10 degrés. Donc, bon, demain, on va ressortir les pulls, quoi. On va ressortir la petite moumoute. Oh, ça y est, encore des bibliothèques. Comment ça, on a un village avec deux maisons en bibliothèque, là? Ben voilà! Ça nous fera même des bouquins en rap comme ça. Parfait. Parfait, c'est parfait. Il y a un coffre où il y a des arbres. Ouais, je sais qu'il y a un coffre, mais c'est les coffres. Je sais pas si c'est les coffres intéressants. Normalement, c'est les coffres dans lesquels tu auras du rubber et tout comme ça. Je sais pas si tu peux avoir des loot d'autres mobs en vrai. Je vais les check quand même. Hein. Je vais les check. Je vais aller prendre le petit truc, la petite vitre aussi. Bref. En fait, faut se dire que deux vitres, hein, ça t'économise pas mal de ressources. Donc. Normalement, je crois qu'elles se craftent par deux les vitres. J'ai plus si elle se craft par deux ou par une. Non, elle se craft par deux. T'économises des saplings, des vitres, des trucs comme power ou autre. Ouais, donc voilà, ok. Mais des biens que du rubber. Bon bah c'est good tout ça. Oh attendez, il y a encore un autre village. En vrai, on est juste à côté, tant qu'à faire, autant le faire. On en profite. C'est vrai que là pour le coup, ça compte pas le prendre en fait. Hein. Ça compte pas le prendre. J'avais dit que je faisais encore deux villages, mais... Il est à côté donc tant qu'à faire autant de temps. Alors je sais qu'il y a des mobs, c'est pareil, il y a des mobs pack aussi où tu peux avoir des coffres dans les églises. Je sais pas si c'est le cas. Et t'as des trucs de Tomcraft aussi normalement. Bon alors ça c'était il y a longtemps peut-être. Ah ouais. Ouais bah non, il n'y a pas l'air d'avoir de coffre. Hein. Ça va dépendre des modpacks et des structures peut-être. J'ai parlé de deux villages en bibliothèque. Non, j'avais parlé de deux villages tout court. J'avais dit que je faisais encore deux villages. Et que si j'avais pas assez de bibliothèque après deux... Enfin, en fait dans ma tête c'était si jamais j'avais pas assez de bibliothèque après les deux villages. C'est pas grave, je rentrais et puis... Qui sait... Et faire mes bouquins quoi. J'arrive pas à rentrer dans ce village. Oh. Prends la vitre. J'ai raté quoi, bon, t'as pas raté grand chose hein. T'as pas raté grand chose, je suis allé faire un petit tour chez Aurélien pour lui piquer une petite boquette hein. Y a encore un village là-bas? Ah non, c'est celui d'où je viens. Allez. Par la route. Et puis j'ai commencé à placer un petit peu les machines et tout ça pour faire l'automatisation pour les ressources. Donc t'as pas loupé grand chose, sachant que c'est pas encore fonctionnel, y a encore rien de fait donc pour l'instant ça va. Hop, allez. Slash Island Home, on arrête de squatter dans ce monde de mort. Ouais, te mettre avec Harry à la France. Je sais même pas s'il joue Harry. Si Harry, il a joué un petit peu, je crois, non? Il a joué un petit peu, je crois. Si pas de conneries. Il a joué un petit peu au début. Il y a un Everyone sur Celestia. Je crois qu'il y a plus personne qui joue sur Celestia. Pourquoi ils ont fait un Everyone? Y'a encore des gens qui font un petit peu de Celestia ou pas hein? Je sais s'il y a encore des gens qui font du Celestia. Peut-être Roi Louis, tu me diras. Peut-être Aurélien en fait. Peut-être Aurélien ou Roi Louis. Roi, il fait encore du Celestia. Ok, ok. Après, en même temps, en fait, pour ce genre de personnes, c'est sûr qu'ils ont quand même une grosse base et tout, qu'ils sont vachement avancés dedans. C'est normal que t'aies pas envie d'arrêter en fait, tu vois. T'as consacré beaucoup de temps, t'as énormément construit tout ça, t'as des projets, etc. T'as envie de terminer tes projets, tiens. T'as envie d'aller au bout de ton truc, quoi. Tout à fait normal, hein. Moi, je jouais Celestia. Moi, à la base, Celestia, tu sais, en fait, avec Pierre et tout ça, on s'était dit qu'on allait jouer deux semaines, mais au final, moi, j'ai continué à jouer dessus. Ouais, je trouvais cool. C'était cool, en fait, de faire un petit peu de Vanilla, ça changeait du modé. C'était sympa. C'était sympa, c'était sympa. Y'a Stork aussi, du coup, ouais, ok. Ok.
Olivia, comment vas-tu? Harry est juste allé chez Pierre pour faire de la merde. Ouais, bah normal, hein. Normal, normal, hein. Ça va faire des années qu'il n'ait pas joué à Minecraft, le pauvre. Tiens, en plus, il revient sur du modé et il va être perdu, quoi. C'est un mec qui soit juste venu pour troll un petit peu au début. Ça fait normal, hein. J'aurais fait la même chose à sa place, hein. Je capte par où tout ce bordel du coup Le câble là-dessus, comme ça, ni vu ni connu. Alors. Pas que j'ai pas besoin de câbler ça, hein, mais. Je pense que je vais passer par là. Pour arriver en dessous. En fait, le câble il va arriver. En fait, le câble il va passer en dessous, il va arriver jusque là. J'allais déposer mon bucket avant de faire de la merde avec. Prendre mon bucket d'eau pour pouvoir construire tranquillement là-dessous. Et... Oubliez pas le dernier sieve. Indeed. Bon là normalement ici il n'y a pas de problème pour câbler. Tirer un trait hein, comme ça tout droit. Comment ça tu lues? Comment ça Rein? C'est le premier live que je regarde de toi, j'ai regardé plus souvent, je me suis abonné, merci beaucoup hein. Rain peut-être, plutôt Crain. Rain ou Rein? On dit Rain comme tel la pluie? Parce qu'on dit Rein. Mais merci beaucoup en tout cas. T'as 1€. Bienvenue à toi du coup. C'est dans ce genre de moment là que je regarde de pas avoir un Angel Ring ou autre parce que pour le coup ces câbles là quand tu voles c'est simple à placer parce que tu te mets pile poil dans l'alignement du câble en fait et bah tu recules tout droit tu vois. Voilà quand t'es comme ça tu serres un petit peu les fesses quoi. Tu serres un petit peu les fesses pour pas fail ton câble. En plus avec ma précision de moule asthmatique avec ma souris c'est un petit peu compliqué. Yes, rain, comme la pluie, ça marche. Merci beaucoup à toi en tout cas. Ils ont fini move là-bas. Flying ring. Ouais, flying ring, on peut tout faire hein. Flying ring, faut que je me fasse chier à reproduire un environnement pour les perroquets, que je crafte les baits, que j'attire les perroquets, que je les mette en cage. Que j'aille chercher toutes les autres trucs qu'il me faut pour faire flying ring parce qu'il me faut 50 choses en fait. Non, en vrai, attends, en vrai, je vais faire celui-là, tu vois. En vrai, les. Mais pourquoi je l'ai pas vu ce craft là d'un fois? Pourquoi je regardais ces crafts là moi? Ah oui non mais c'est de la merde en fait. En vrai en fait il faut juste des perroquets parce que les feux d'artifice j'ai les carottes à Pierrot. Tout le reste je l'ai. Bon les cages tu les crafts en 2 secondes. Et c'est quoi la logique avec celui-là alors? Ou alors celui-là il est plus rapide que celui-ci? Parce que pourquoi il y a un craft avec une Nether Star, un pseudo dragon, une potion jump boost, des ghast de tir, etc. qui sont très chiants à avoir. Et pourquoi il faut juste ça? Et pourquoi il faut rien? Il doit y avoir une différence dans le truc, non? Parce que pourtant c'est exactement le même en plus, c'est ça je comprends pas. Et que c'est exactement le même anneau quoi. Je vais faire du applied, ouais. J'aurai de quoi en faire. Quand j'aurai la ressource, je ferai du applied. Chasse le ghast. Bah le truc c'est que ouais, soit je fais l'angel ring, auquel cas faut que je trouve une chauve-souris, je trouve un ghast, que je mette le ghast low. Il faut du poulpe, alors le poulpe ça va j'en ai, il faut un poulet, il faut plein de choses en fait. C'est un petit peu chiant à faire. Surtout que je remplacerai l'angel ring, enfin je pourrais voler avec d'autres choses que l'angel ring tu vois par exemple. Bon. Soit je fais le flying ring qui me permet de me dépanner juste quand j'ai besoin de voler un petit peu de temps en temps quoi. Le Flying Ring est pareil que Angel Ring, je sais pas, y'en a qui me disent que c'est de la merde. Moi je sais que c'était pas trop gênant. Ah ouais, moi en fait, moi il me faut pas un truc pour voler ultra vite, hein, les gars, de toute façon je reste sur ma plateforme. Moi il me faut juste un truc pour aller d'un point A à un point. Par exemple, tu vois, là pour poser mes câbles, ça aurait été plus simple si je volais. Pour le coup, ça aurait été plus simple si je volais. Et sinon, c'est pas. De temps en temps, j'en aurais un petit peu besoin quoi.
pour me faciliter un petit peu la tâche, quoi. J'arrive pas à target le truc. Parfait. Donc là, normalement, on a tout qui est câblé. Et oui, il y a toutes les machines qui fonctionnent là. Regardez. Hop. Ici, ça sieve notre cobble. Alors, vous voyez, c'est quand même pas très rapide. Hein. C'est quand même pas très rapide. En plus, j'ai pas mis du round robin. Donc, forcément, je vais me faire carotte le cul. Bref. Voilà. Comme ça, théoriquement, le prochain partira là. Attends, le round robin, faut que je le mette sur l'export ou faut que je l'extracte ou faut que je le mette. Je sais qu'il n'y a pas de mèche, hein. Je sais qu'il n'y a pas de mèche. Hein. Le run robin. Ben non, mais le run robin, c'est forcément sur de l'export. Je l'ai pas mis sur le bon. Ah. Je l'ai pas mis sur le bon. Forcément que ça va me remplir que ceci. Mais normalement, le prochain, il part là. Normalement, le prochain, il part là. Voilà. Et en fait, là, ça va faire 1 sur 2. C'est vrai que c'est quand même pas très rapide. Hein. Après, je sais que les mèches, ils sont très lents aussi. Mais bon. C'est pareil, c'est un truc qui va tourner à 24. C'est un système qui va tourner à 24. Vous voyez, là on a déjà 15 de dust, là on a 33 de sable. Donc on est vraiment pas pressé. On est vraiment pas pressé. Pour le coup, avant que ça traite les 34 de sable qui sont ici, on a le temps. On a le temps, on a le temps. Putain, je veux pas dormir. Mais... Bon bah ça c'est câblé, c'est parfait. Je vais la refaire cuire un petit peu de pomme moi. Ah, y'a plus de bouffe. Je fais le jetpack en attendant. Le truc c'est que ces jetpacks, il y en a très peu qui sont bien. Et ceux qui sont bien sont très chers. Parce qu'en fait t'as les jetpacks accessibles, mais il n'y a pas le mode hover. Et en fait il n'y a pas un mode stationnaire où par exemple bah, t'es là, tu peux rester tout droit. Enfin tu peux rester à la même hauteur au billot, c'est très pratique. Je crois que tu l'as avec celui de Mechanism et encore. Mais Mechanism il fait beaucoup de bruit en plus. C'est une usine à gaz le truc de Mechanism. C'est terrible. C'est une horreur. Bon bah voilà, en vrai c'est discret hein. Ouais c'est discret, ça prend pas de place et puis ça fonctionne bien. Plus qu'à faire l'étape dans. Enfin plus qu'à faire la bibliothèque pour s'enchanter. Donc il faudra 3 mèches en diams, une en iron, on va les prendre tout de suite. Donc on a dit. 3 en diams. Eh mais j'y pense, attends, ça fait un chain cube aussi. On s'appelle le chain cube de rain. Pauvre. Petit chain cube. Pif. Pour l'instant ça fait 6 petits chain cube et un géant. Soit les jetpacks, mecha ou simple jetpack qui a un mode over mais ça reste merdique. Ouais. Mode over un peu glacose quoi. Et combien de modes? On a 266. Et un petit peu de mode. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Eh mine de rien, en vrai, j'ai mis 15 d'iron, 15 de redstone pour faire mon câble. J'en aurais mis 3 de moins, j'aurais pas eu assez hein, pour tout câbler. Hein. Ça m'a coûté une quarantaine de câbles hein, tout ça. Hein. Après c'était un petit peu long hein, c'est ma production d'énergie. Mais là ce qui est bien. Hein, et que normalement ça devrait pas trop descendre ici. Alors ça descend, forcément ça descend, on n'a pas de production d'énergie. Ça a quand même pompé 1 million hein. Ça a quand même pompé 2 millions hein. Eh hey, ça coûte cher cette merde hein. Je suis à mort qui tourne. Attends ça fonctionne à combien ça? 40 tarifs par tick. On fait 40, 80, 120, 160, 200, 240. Ça me fait un seul par panel. Donc en fait là rien que ma mort. Eh parce que là je produis combien? Là je produis 256 à la journée. Parce que je produis 512 la journée, 0 la nuit, donc forcément je suis en... Ah et encore c'est même pas vraiment ça parce qu'il y, une... y a un effet un petit peu de quand c'est le matin ou le crépuscule, hein, tu te fais niquer. On va dire que je suis à 200 rêves par journée. Soit ma production actuelle. Soit moins que ma production, soit moins que ma consommation actuelle. Donc là j'ai même pas assez d'énergie en vrai. En vrai si je veux que ça tourne H24 à être tranquille, il me faudrait plus de solar panel. Sachant que... Ici on va rajouter... 160 rêves par tick. Ouais, il me faudrait 2 solar panels en plus. Faudrait que j'arrive à faire 2 solar panels en plus. On les fera après parce que là j'ai plus les ressources, j'ai plus l'iron, j'ai plus tout ça. Il me faut quand même pas mal de ressources pour les faire. On les fera une fois que j'aurai commencé à avoir un petit peu de ressources avec ça. C'est pas grave hein. Les 50 millions en RF en RAB. Déjà, ce que je peux faire pour limiter ça, c'est que tant que je suis connecté, je peux passer la nuit. Forcément, pour recharger mes solar panels. Non, les solar panels, je ne regrette pas. Parce que je me suis limité, vu que je trouve... Ah merde, putain, mais passé la nuit. Ah, oh, il y a Adrien, il s'est connecté. Il s'est connecté juste à l'angle d'or, au secours. Ah, il est mort. Vas-y, déconnecte. Connecte, lui, t'es mort. Vas-y, appuie sur respawn et crash. Ah,
Bah, je suis méchant, je suis méchant. Bon bah rip. Non, je disais, dans les solar panels, je me suis limité au tier 4 parce que je trouve ça un petit peu trop craqué après. Donc voilà. Et je me limite au tier 4. Après, je peux en mettre autant que je veux des tier 4, mais je me limite au tier 4. Comme ça me met un petit peu. Ça met une petite limite au truc cheaté. Vu que c'est quand même pas mal craqué les solar panels et que c'est très facile à faire, franchement, je m'impose une petite limite, quoi. Et puis après, je passerai avec les poulets en charbon, je passerai à la production supérieure. Bibliothèque, il me faut des bookshelves. Des bookshelves. Il va falloir du bois. Oui. Et des bookings. Donc on a dit, il m'en faut 15 ans. Oh, c'est pas grave. Non mais je sais qu'il peut y avoir du charbon en lycée et tout. Hein. Et en fait il faut une grosse production de charbon parce qu'en gros mon énergie après sera basée uniquement sur le charbon. Et pour ça il faut une grosse production de charbon. C'est vraiment pour être tranquille quoi. Donc il me faudra les poulets quoi. Bon vu qu'il y a que 6 efficiency, je vais peut-être le mettre pour l'instant sur l'iron. Ah, il va me falloir du lapis pour enchanter tout ça j'y pense. Ah ouais! Bah ouais, bah ouais. Il va me falloir les trucs d'XP aussi. Alors j'en ai plus là-dedans, on va aller en chercher là-bas. Ouf. Doum tout doum. F. Je pouvais pas faire du Magical Wood. Ça m'aurait coûté d'XP un petit peu. J'aurais pu faire du Magical Wood en vrai. Non. C'est 5 le maximum hein. Ouais d'accord. 3. Ding ding. Cassez-vous et vous sous le ban dans la con. C'est quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Je me fais troll par le jeu. Peut-être falloir arrêter. Ah, ça c'est bis. Bah le fortune on va le mettre sur les ressources principales hein. On va le mettre sur le gravier hein. Ouais. Et donc là ça me fait quoi? Ça me fait 2-6. En vrai en fait là je peux me faire un 6 fortune 3 avec efficiency 4. Si je prends les deux d'enchant ici, si je retire les 2-6 efficiency et que je prends celui-ci, je peux me faire un 6 fortune. Un efficiency 4, 5 fortune 3. Que je peux mettre là. Je pourrais mettre là-dedans. Il me sortira du coup masse ressources. Mais très bien, cool. Donc on va faire ça. On va prendre le Lance of the Descenting. Puis parce que j'en ai foutu. Du coup, je l'ai mis. Peut-être dans les trucs là-dedans. Là. F. Eh bien, il faudra des bouquins pour ça. À mon skimant, ouais. Alors, est-ce que tu peux repasser un bouquin comme ça? Tu peux le passer sans enchant. Est-ce que tu peux désenchanter un bouquin? Parce qu'on n'a pas les grindstones. On n'a pas la grindstone de la 1.14. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le problème, c'est qu'en termes d'énergie, c'est la dèche et que l'énergie part là-bas. Et chiant. Après, ils vont envie de s'arrêter. Hein. Ils ont envie de s'arrêter. Une fois que ce sera full, ils vont s'arrêter. Genre. MDR. Bah, ils vont peut-être pas s'arrêter en fait. Nick. Ok, on a 6 efficiency. Le soulband, pour l'instant, on va le dégager. C'est toujours cool un soulband, hein, mais pas sur mon sif, ça sert à rien. Dans un désenchanteur, mais là je vois pas. Okay. Pas assez de transfert. Non, normalement ça se. En fait, bah là le problème c'est juste que les câbles ils puent. En fait, c'est des câbles de 800, de 640 live par tick. C'est bon pour remplir du 300 000, c'est un petit peu de la merde. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. Hein. Yes. Hop. Alors, du coup. Je fais ça et ça.
marche pas de. En fait, si je la veux sans enchant, je suis absolument obligé de la remettre normale. Enfin, de retirer l'enchantement. C'est très chiant, ça. Vraiment pas moyen de retirer l'enchant, en fait. J'ai pas envie de consommer 15 000 bouquins, quoi. Les câbles du dessus sont chiants. Non, mais ils me sont pas très utiles en vrai. Ils sont pas très utiles pour l'instant donc. Pas chiant à faire, hein, ils me sont juste pas très utiles pour. Ah, moi. Prendre un coffre. Ça marche pas de faire ça, évidemment. On n'est pas dans la bonne version. Je voulais pas qu'il se link. Non, je prends une crate. Hein. Je vais foutre un coffre avec les bouquins ici. C'est tellement chaud, les gars, c'est normal. Je suis en sueur. Je peux déjà le mettre normalement en efficient. Non. Parfait. Il va me manquer la scie et fin de scie 4 que je vais récupérer là-dessus. Bon, à faire, c'est vu que là c'est une mèche en iron et que j'en ai besoin de qu'une, je vais l'acheter. Je vais pas me faire chier à la retirer, celle-là, je vais juste l'acheter. On va prendre les deux bouquins ici. Tac. Et normalement, si j'ai ça. Voilà. Donc là, déjà, j'ai une mèche qui est parfaite. Là, déjà, je peux la mettre ici. En plus, elle est très rapide. Beaucoup d'énergie. Bon, en même temps, il n'y a plus d'apport en énergie, donc là, forcément, ça swap un petit peu toutes les machines. Et vous voyez que ça commence à me sortir pas mal de ressources déjà. Alors, ce qui est chiant avec celle en diamant. Et que ça va me sortir toutes les merdes de gemmes possibles et inimaginables. Tu peux mettre un Fortune 3 sur toutes tes cives avec une imprimante là. Ah oui, j'aurais pu imprimer. Ouais, j'aurais pu. Bref. Too late. Pas grave. Flemme. Flemme. Ouais, c'est ça qui est chiant que le diamant, c'est que ça va vraiment remplir. Bon, après, avant que ça stack, ça. Tu veux que je respite les enchantements et que je print? On peut faire ça, hein. On peut faire ça. Ça m'aura fait perdre quelques bouquins, mais c'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute. Il faudrait que je relise l'enchant. Et l'imprimante d'abord, hein. Ça fait l'imprimante d'abord. Je vais pas print un item. En vrai, je print ce bouquin là et c'est réglé quoi. C'est réglé, c'est réglé. Merde, attends, il y en a un champion, tu vois. Mais non. Ah, pendant ce temps-là, ton sieve aurait pu tourner. Ouais, puis qu'il est pas alimenté en énergie, il aurait très bien tourné, quoi. Donc bon. Et merci à tous les follow, bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue. Bah, du coup, il faut quoi? Des printers, votre truc, là? Quoi le nom déjà? Je crois pas que je suis printer. Troisième? Attends, le troisième genre ça ou le troisième genre ça? C'est le troisième item qu'on voit là. Plus de fourniture. Pour des conneries en plus. Bon, un papier, hein. C'est pas donné. Pour de la stone aussi. J'ai un papier qui traîne. Un truc qui arrive jamais, ça. J'ai rien dit. Cours mon inventaire. Secours l'inventaire. Il est rempli de conneries.
C'est combien ça? C'est combien ça? On va mettre ça là-bas. Tong. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre ça à côté du... d'un... un... J'imagine qu'il faut un bouquin pour copier dessus. Pense que dans la logique des choses... Sur moi, je suis con. Comment il arrive à copier son bouquin? Ça génère des bouquins en calme. Bah ouais, ça génère des bouquins en calme, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que ça génère des bouquins en calme. Les cartouches d'encre, c'est plus efficace. Y'a combien de merde dans votre mode là? J'ai trouvé les cartouches d'encre. Y'a une télécommande. Yes. Vous pouvez pas les mettre à côté de ça? Oh ils sont stylés, t'as un petit appro... T'as un petit une petite fontaine pour les oiseaux. C'est le CP. Ah oui, mais. Je tapais CP. Ah, ok. Avec un d'encre et de la stone, hein, ça me fait mon truc. Parfait. Pas si une dizaine de trucs, ça suffit. Mais quand on me dit que c'est plus efficace, ça va beaucoup plus vite pour le progress ou c'est. Nar? Hein, c'est bon, ça va? C'est au courant qu'il m'en faut 4 des bouquins là. Vous le savez ça? Vachement long votre truc. Hein. Je bois chier, mais. Et j'ai pas l'impression que ça aille plus vite. Hein. Ah non, ok, ouais, non, ça va pas plus vite. C'est juste que. Attends, si on commençait la magie, sinon je mets une patte de pub. Hein. Ouais, une page de pub de 3 minutes. Ça fait peut-être le temps de faire un bouquin. Hein. C'est pas. Hein. Et du coup, c'est quels qui sont postés? Il y en a aucune qui est stackable entre elles. À l'aide! Parce que j'ai déjà mis dans. Bah non, je l'ai même pas mis. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et d'ailleurs, est-ce que vous aussi en ce moment vous avez des nouvelles pubs sur Twitch? C'est-à-dire que les pubs que t'as forcément, quoi qu'il arrive, adblock, pas adblock, et que tu ne peux pas skip. Enfin, en gros, c'est comme si c'était le. Et en fait, si tu mets pause et que tu reprends, la pub elle se remet à l'endroit où c'était en fait, tu vois. Les pubs Amazon Prime là. Parce que vous aussi vous avez full pub Amazon Prime sur Twitch en ce moment là. En plus c'est con, ils mettent des pubs Amazon Prime, j'ai déjà Amazon Prime, hein. Ça fait 3 ans que j'ai Amazon Prime. Hein. Casse les couilles avec. Ah vous avez ça vous aussi? C'est relou hein. C'est terrible comme truc. Aucune pub tant que Amazon ne paye pas ses impôts. Hein? Pour les mèches, je vais juste les placer et les retirer du sieve, ça reste à cale après. Oh mais c'est vrai, je m'en fous que ce soit le câble en vrai. De toute façon, je crois que je vais bon être dans le sieve, donc ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose.
Ah c'est ça, t'as Twitch Prime, donc du coup t'as... En fait t'as Amazon Prime, t'as Twitch Prime et tout, mais on te met quand même des pubs Amazon Prime ou Twitch Prime sur la tronche, quoi. Après c'est vrai qu'il y a quand même... En fait c'est vrai qu'au final sur un gros échantillon de personnes, y a pas beaucoup de monde en fait, qui est Twitch Prime, enfin qui est Amazon Prime ou Twitch Prime. C'est pareil, t'as beaucoup de monde qui ont Amazon Prime par exemple et qui savent même pas qu'il y a Twitch Prime. Mais moi je comprends pas les gens qui commandent sur internet et tout ça et ils comptent pas Amazon Prime, genre c'est... C'est trop bien en fait, c'est juste trop pratique. Enfin, ça dépend où t'habites, hein. Et même, t'as les livraisons gratuites, t'as les livraisons le jour même ou le lendemain, t'as... C'est... Y'a pas à débattre. Darkbo, ça passe pas, hein. J'ai fait couiller. Moi j'ai lié le compte Amazon Prime et Twitch, mais impossible de me sub avec Twitch Prime. En même temps, t'as pas l'air d'avoir Twitch Prime avec T'as pas l'air d'avoir l'icône Twitch Prime devant ton pseudo là. Quand tu commandes une fois par an, c'est inutile Amazon Prime. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. Ceux qui commandent pas ou qui commandent une ou deux fois par an, ça sert à rien en vrai, tu vois. Mais bon, aujourd'hui, quand t'es. Quand tu passes pas mal de temps sur internet ou autre, c'est très rare que tu commandes qu'une fois par an, tu vois. Très rare, c'est. Moi je sais que Pierrot par exemple, les couches pour son gosse, il les commande sur Amazon Prime, tout comme ça, le PQ, tout ça, tu commandes sur Amazon Prime, ça coûte moins cher en fait, tu vois. C'est exactement la même chose, tu payes juste moins cher quoi. Et on a eu deux diamants du coup, hein. On a eu deux diamants, on a eu plus de diamants que d'iron quoi. Terrible, hein. Terrible, terrible. Pourquoi tu veux des Epic Bags et pas des Legendary? Parce qu'en fait dans les Epic Bags j'ai plus de chances d'avoir, enfin j'ai plus d'items de type Gold, Iron, etc. Je sais pas, moi ce que je veux c'est de l'Iron parce qu'il va falloir pas mal d'Iron pour faire je ne sais plus quoi. Enfin Solar Panel par exemple. Et du coup voilà. Voilà. Les Legendary, mais en fait on va regarder. Regarde les bagues. Dans les Epic, tu vas avoir tous les items en Iron. Item en diamant, item en gold, plein de trucs à recycler, les armures, etc. Tu peux avoir plein de petites choses sympathiques. Le Legendary il est plus restreint et plus orienté surtout sur tous les items en diamant en fait. Tu vas avoir essentiellement les items en diamant. Et pas mal de merde quand même avec aussi, donc bon. Pour ça, les épiques je trouve c'est ceux qui sont plus polyvalents. D'ailleurs t'auras fait 3 commandes par Amazon je crois. Après ça dépend des besoins en fait des personnes. Hein. Y'a rien de mal à pas commander dessus, y'a rien de bien à commander dessus forcément, et bon. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai ça fait un petit moment que j'ai pas commandé dessus. Hein. Donc bon. Mais en vrai, rien que pour sub une fois par mois, c'est rentable. Parce que tu payes moins cher à payer un an d'Amazon Prime qu'à payer un an de sub. Donc bon. Rien que pour ça, c'est rentable en fait. Rien que si jamais vous voulez sub un an à quelqu'un, c'est plus rentable d'acheter Amazon Prime un an que de sub un an à quelqu'un. Sachant qu'avec Amazon Prime, il touchera plus qu'avec un sub. Avec Twitch Prime. Bon. Commande. Une coque pour ma mère pour son téléphone à 4€. Wars Amazon Prime. Wars Blacky. Ah, t'aurais pu avoir la coque téléphone le jour même, hein. Mais il y a de la bite là-dedans là. Clairement, je vais prendre Amazon Prime. En même temps, dans ton coin paumé là aussi, je sais même pas s'il y a Amazon là-bas. Là. Mais il va pas le venir, il fait trop froid chez toi là. Il fait beaucoup trop froid. Bon, terme de bouffe, qu'est-ce qu'on a? Ça, 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 ça. Terme d'objet recyclable. On est pas mal à la fin là. On a beaucoup plus d'items de recyclable à la fin. Pour tout le reste. Hein. Ok. En termes de minerai, on n'a pas eu grand chose pour le coup. En termes de minerai, on s'est un petit peu fait carotte le fion. Ah bon, c'est comme ça.
Tac. Le reste, normalement, hormis la Dimnet, c'est acheté. Oh yeah! Ouais, c'est où Twitch Prime? Merci beaucoup, Kaishi. Entendu Seb. Twitch Prime, comment ça va? Comment vas-tu? Ça va nickel. Comment vous l'écrivez le mot worth qui veut dire bénéfique, orthographe exactement? Bah comme tu l'as écrit. Simplement. Et du coup Kaishi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux 5 petits chance cubes ou est-ce que t'en veux un géant? Pourquoi ton slip prend du retard? Parce que ta connexion pue du cul. Connexion pue du cul, simplement. Un géant? Ça nous fera deux géants. Tipotique. C'est moi. Ok. Bon, on en est où dans nos bouquins là? Parce que c'est bien beau tout ça, mais bon, ça chie un bouquin. Évidemment, ça a nickel progrès. 3000 autres. Alors. Déjà, on a une sieve. On a une sif qui est ok. Pour la remettre. Comment je vais pouvoir activer le truc? En vrai, c'est tellement plus long. En vrai, en faisant ma technique à la con, vu que j'ai XP infini, j'aurais déjà fini mes sieves en fait. C'est terrible. F. L'énergie fut. Comment ça, le câble il arrive? Ah, ici, c'est vrai que ça consomme pas trop. Hein. Par contre, dans leur panel, ils font la gueule. Hein. On a une production de quoi alimenter bon, les 4 sieves d'en bas. Ça tombe bien, il y en a qu'un qui tourne. Hein. Pourquoi il a une animation lui? Tu tournes pas toi? Hein, tu ne consommes pas d'énergie. Hein. Non, déconne pas frérot. Par contre, ce qu'on peut faire par exemple, là vous voyez. Regardez. F. Et là, je pense que l'énergie. Bah, c'est la merde. Là, je pense qu'en faisant ça, l'énergie, bah, c'est la merde. Ah! Non, arrête tes conneries frérot. Il a pondu des trucs partout. Les câbles suffisent, c'est normal. Après le câble, en fait quand tu full boost, le truc il est en speed x7 hein. Mais quand tu full boost en gros faut améliorer les câbles derrière. Là ça ne sert à rien. Ah ouais, ça m'a déjà fait 27 d'iron. Bah alors c'est 27 d'iron à diviser par 2. Ça m'a fait 13 d'iron. Et maintenant pour tout ton supérieur à 5 euros, vous pouvez avoir votre skin en tant que Silver Pro. Vraiment mettre des skins? Tu peux vraiment mettre des skins là-dedans? Comment tu choisis un skin? Comment tu fous des skins là-dedans? Name tag? Name tag plus pseudo. T'en déconner. Comment t'as des name tags? Faut en avoir dans les loot bags? Ouais, faudrait que j'ouvre des zones common quoi. Mais je crois que j'en ai déjà des name tags. J'ai déjà un name tag. Je peux déjà rename une personne. Plein de mini-cats qui farmeront. Oh non, j'ai rename pas moi. En vrai, ce qu'a dit Blacky c'est pas mal en vrai. Du coup, on va ouvrir ça. Putain, mais j'ai encore cette merde, c'est moi. Ça me fera toujours des armures en fer en fait, de toute façon. Hop. Ouais, attendez, on en a 38 000, on va arrêter de faire les clodos. Ouais. Ça sent chier de clic. Alors, le problème, c'est que je pense que là, je vais avoir énormément de merde. Peu de choses, c'est bon. Eh, hey, du sable! Oh, ça me va le sable, hein!
Y'a pas un craft hein. Nope. Tu peux en faire comme ça avec Botania. Vers 3. Il est rempli. C'est quoi les 9 crottes de mouche là? C'est les trucs d'Abyssalcraft. De toute façon, tous les trucs chelous qui ressemblent à rien, c'est Abyssalcraft. On peut chercher. Eh, du scrap! Bonjour! Ouais, après d'avoir une M-Tag. Hein. Bah, donc, juste on fera Botania. Non, mais Botania, on le fera quoi qu'il arrive, on le fera en même temps que les poulets. Ouais, il va falloir vider un petit peu l'inventaire. Parce que là, pour que c'est la merde, c'est la merde. Je sais, je peux recycler le seau, mais. Nick. Nick, nick, nick. Faut que je le vide avant, c'est chiant. Y'a pas tant de choses que ça à jeter, hein. Pas tant de choses que ça. Après, y'a des trucs que je garde, la mille chocolate, mais. J'ai jamais débouffé, quoi. J'ai jamais débouffé. Je sais d'avance que je vais jamais débouffer. C'est ça le problème. Mais je les garde. Je sais pas pourquoi. Je suis con. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est ça. Est-ce que j'ai des minérales dans la matière à vie? Surtout de la bouffe. Le reste ça jette hein. Pas de Black Lotus quand même, mais le reste ça jette hein. Bah je commence en système pour Steve, je vais te le montrer tout de suite après. Alors, en gros, bon j'ai l'énergie qui arrive par là-bas là, tout et tout. Et en fait, alors ici j'ai processé tout le gravier, ici j'ai processé tout le sable. Ah c'est ça, et ici j'ai processé toute la dust. Comment ça fonctionne? J'ai mon générateur à cobble, qui envoie de la cobble dans le auto-hammer. Donc ça en gros ça processe la cobble en gravier. Et ensuite ça envoie dans mon sieve. Alors ici il y a un sieve, il y a une mèche en diamant. Et ici il y aura une mèche en iron pour avoir du lapis, parce que le lapis tu ne peux pas l'avoir sur la mèche en diamant. En gros, ici c'est pour tout ce qui va être iron, gold, diamant, émeraude, lapis, toutes les ressources de base. Le sable, ça va être pour les ressources. Il y a quelques ressources qui sont tenues que dans le sable, je crois. Genre silver, tin, du genre. Donc c'est exactement le même setup qu'ici. Sauf qu'il y a un hammer en plus qui processe le gravier en sable et qui est envoyé ensuite ici. Et ici c'est pour la dust. Donc c'est pareil que le sable avec encore un hammer en plus pour processer le sable en dust. Et voilà, et la dust c'est pour avoir redstone, je crois que ça donne de la glowstone aussi. Du genre, donc voilà. Mais là ce qu'il me faut en fait c'est qu'il faut que je termine d'enchanter mes mèches. Et pour ça en gros j'ai dû piquer un bouquin. Piquer un bouquin, si fortune, si efficiency, et puis je vais le mettre, je vais enchanter mes mèches comme ça pour que tout fonctionne bien. Mais le problème c'est que tout ça, ça me consomme pas mal d'énergie et j'ai pas assez de production d'énergie. Et du coup il va falloir que je fasse d'autres solar panels. Parce que là, même s'il fait jour, vous voyez ça. En fait, en journée, ça monte un poil de cul. Et encore, ça, en fait, et encore, ça baisse quand il y a les sieves qui tournent. Voilà. Oh! Alors. Merci beaucoup, Drakkar! Merci beaucoup pour les subgifts! Et bienvenue à Eolus, pur inconnu, Nani Obua, Shiona et Nexus Cornet, merci beaucoup. Et bienvenue à vous en tant que sub, cette musique là. Ah, ça nique les oreilles. Hein. C'est qui du coup le VIP là hein? C'est Nexus? Alors, l'âge VIP, Nexus. Eh, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu le Brain Power. Hein. Ça faisait longtemps. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend des géants? Est-ce qu'on prend des petits? Est-ce qu'on fait un mix de géants, de petits? Je fais quoi? Je prends 3 géants, 10 petits? Qu'est-ce qu'on se fait? 3 géants 10 petits à ouvrir, c'est pas mal ça, non? Ça nous ferait au total... Ça nous ferait 5 géants et 16 petits à ouvrir. Full petit, non, full petit c'est de la merde. Faut faire des géants, c'est pas drôle quand même. Après c'est Drakkar qui a subgift, ça lui choisir.
Ah, il y a des nouveaux badges pour les subgifts maintenant. Il y a des badges en fonction du nombre de subgifts, sans déconner. Oh, c'est trop bien! Ils ont mis des badges en fonction du nombre de subgifts, un petit peu comme. Un petit peu à l'image des bits. C'est trop marrant ça! Du coup, ouais, 3 géants, 5 petits, 10 petits. 5 géants, géant et petit. Tu veux géant et petit, Drakkar? Bon, on va faire 3 géants, 10 petits. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. A savoir que les géants, s'ils sont pourris, on peut avoir des jokers. Hein. Bon, en vrai, là, on a 5 géants, donc s'il y a beaucoup de pourris, on mettra un joker ou deux. Ça nous fait. Ça, c'est des géants. Là, c'est des petits. Ok! Bon, ce que je vous propose, c'est que là, j'attends que le bouquin. Oh yeah! Merci beaucoup, Jack. Merci beaucoup, Jack, pour ton sub avec Twitch Prime. Hein. Et bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Eh, du coup, en vrai, Drakkar. Drakkar, c'est quoi ton pseudo Minecraft? C'est quoi ton pseudo Minecraft, Drakkar? C'est quoi ton pseudo Minecraft, Drakkar? Tu mérites bien un petit name tag. Et merci beaucoup, Jack. Jack, tu veux quoi? 5 petits? Un géant? Ça fait longtemps les différents bats, sérieux? J'ai toujours vu que les anciens, moi. Quand tu mets des trucs, ça me fait penser soit à une liste de course, soit à une secrétaire. Bah ouais, mais c'est pratique en vrai. Pratique. Alors. 5 petits, un géant, ok. Non, mais c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. On va pas tout avoir. Soit 5 petits, soit un géant. ça fait un petit stock, hein. C'est marrant parce que le sable il va plus vite que le gravier. Ou alors c'est parce que j'ai câblé au début, ça. Ah, peut-être parce que c'est ce que j'ai câblé en premier. Un géant? Un géant. On est parti sur un géant. On est parti sur un géant, du coup, tac 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 tac. Ça nous fait 16 petits, 6 géants. Bon, faut que je redonne un certain temps, ça roule. Et du coup, ouais, Drakkar, t'as pas un petit pseudo Minecraft T'as pas un compte Minecraft? En fait, ce que je pourrais faire, c'est du coup, pour aller ouvrir les chains cube en attendant que ça print les bouquins. Parce que quoi qu'il arrive, on est un petit peu coincé en attendant que ça print les bouquins. Donc bon. Sur Drakkar, il y a une subgif, c'est barré. C'est barré. Alors je crois que pour l'instant on va mettre ça sur la redstone. Parce que il me faut de la redstone en priorité. Pour le solar panel. Et la redstone... Elle peut beaucoup. On en a plus beaucoup les amis. Peu la merde. Hein. Il me tipo le caca. Pire tu me mets moi. Essaye de carotte hein. C'est de garotte, hein. Et qui vous l'a mis? Et ça c'est bizarre les Undermen parce que en fait ils se téléportent. Non bah l'Underman quand il prend les dégâts, enfin surtout en fait quand c'est comme ça de la flotte haute il va essayer de se téléporter. Mais il continue de prendre les dégâts des spikes alors qu'il s'est TP. Parce que généralement en fait quand t'allais faire ma mob comme ça et que ça part loin. Il meurt plus, tu vois. Et du coup, t'es censé mettre un objet qui fait que les Undermen ne peuvent pas se TP en dehors. Du coup, niqué. Ah, du coup, t'as même pas de compte Minecraft, sinon t'as juste. Ah. Je fais comment pour mettre ton skin? Je fais comment pour mettre ton skin? Bah, sinon, soit tu choisis une personne à qui on pourrait mettre le skin. Bah, on fait un giveaway. Pour qu'une personne mette son skin. Pour la skin de quelqu'un. Au pire. Au pire, au pire. Et ma chorale. Elle est bien. Essaye Sinono, comment as-tu? Ça marche les streamers? Bah Tu veux prendre qui tu veux en fait. Tu veux prendre qui tu veux. En vrai, le truc c'est qu'il me faut juste le pseudo du compte en fait. Il me faut juste le nom du compte. Si tu veux mettre le skin d'Hyper, je mets le skin d'Hyper. Hein. Si tu veux mettre le skin de Zerator, je mets le skin de Zerator. Mais il faut juste que j'ai le pseudo exact en fait de la personne quoi.
Et en plus, c'est quoi son pseudo Zerador? Personne n'a donné quoi pour l'instant? Oui, t'es quoi? Complètement craqué ça! 33 de redstone. Alors, Grain of Infinity, c'est toujours un petit peu la dash. Hein. Et on en a 6. C'est vrai qu'il nous en faut 16 hein, pour rappel, pour débloquer l'Underaio. Ah, pour débloquer, je peux déjà faire Underaio. Hein. Parce que si jamais je veux la gate Underaio, c'est là. Si jamais je veux la gate Underaio qui est ici, pour pouvoir débloquer ensuite Underaio, c'est où? C'est là. Pour pouvoir débloquer les quêtes et avoir les récompenses, bah forcément, il me faut les Grain of Infinity. Et maintenant, vu que tout qui est setup et qui est préparé, ça devrait arriver incessamment sous peu. Alors, le grand Tardos Nems. Tu veux mettre Nems? Tu veux mettre le skin de Nems du coup? On va mettre Nems hein. On va le mettre où? On va le mettre là. En vrai, on peut le mettre là, on va le mettre là pour l'instant. Nems, c'est quoi? C'est Nemenems. Nems. Nems quoi? Nemenems? C'est un Nems hein. C'est son pseudo là. Voilà. Voilà, on a Nems qui siffle comme ça. C'est dommage qu'on puisse pas mettre les skins sur les marteaux. Et comme ça on a un petit Nems, hein. On a un mini Nems chez nous. On a un mini... Eh, hey, c'est quoi au pire pour l'instant en vrai? Sinon je mets Drakkar ici. Quoi. Non, on va garder Blackie pour l'instant. Pour l'instant on va garder Blackie. Ah, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu faire... Oh, j'aurais pu faire un mur avec deux neige. Bon, c'est pas grave. Bon bah ça c'est bon. T'en es où le bouquin? Presque fini. Il me faut encore un autre bouquin. Ce qu'on fait, c'est qu'on attend d'avoir ce bouquin là. Une fois que ce bouquin est fait, on part à quoi qu'au pire. Non, attends. Je vais chercher de quoi faire les chaînes cube chez Pierrot. Je reviens ici, je prends le bouquin. On attend que l'autre bouquin se fasse. Et comme ça, le temps que le dernier bouquin se fasse, tout simplement, on ira ouvrir les chaînes cube. Tant qu'à faire. Les chaînes cube en attendant. Non, parce qu'en vrai, là, je vais perdre du temps. Le bouquin, il est bientôt fait. Mais là, je vais juste aller crafter les chaînes cube par contre. Je vais mettre tous les gens de FTP, comme ça ils farment tous pour toi. C'est vrai que je pourrais mettre Typhier, comme ça pour une fois c'est lui qui ferme pour moi. Du coup. Je prends un peu de la piste parce que là je sais pas combien il va me falloir de chaîne cube, mais il m'en faudra pas mal. Hein. Il va falloir 5, 10... Ah non, parce que attendez... Oh, chaîne cube putain. Il m'en faut 16 petits. Déjà, on va faire les petits. En fait, on va pas réfléchir. On va juste faire ça. Donc là, ça fait 16 petits. Et il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6 géants. Il va me falloir 162 chains cube. En plus. Il y a plein dans la... Ouais mais j'ai pas accès à la plaine en fait. Du coup je sais. 162 ça fait combien? Ça fait un stack je sais pas combien. Puis on en craft un petit peu en rab hein. Là, je reprends un full inventaire et puis... Hop. Voilà. Alors pour l'instant ça nous fait combien? On a 64. J'avais dit de toute façon c'était 162. Donc là on a 128. Il m'en manque 34. Normalement si je... Non. 128. Non c'est bon. Pour 20 j'en fais combien en tout? Comment ça pour 20? Pour 20 subs? Alors pour 20 subs ça fait 100 chains cube petit ou 20 géants. Mais bon, ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup. Ça sert à quoi les chains cube? Ça sert à rien. Ça sert à rien les chains cube. Ça sert à faire le con, c'est tout. Ça sert à faire le con. En fait le problème c'est que je peux pas les crafter à l'avance les géants, en fait c'est ça qui est chiant, c'est que les géants je peux pas les crafter à l'avance hein. C'est ça qui est terrible. Fils de merde. Alors on avait dit que je prenais le bouquin avant. Parfait. On va
pas aller l'enchanter pour l'instant, on va juste le mettre à côté de la cive. Ah, quoi que je pourrais l'enchanter, je pourrais la poser en vrai. En vrai, on va l'enchanter, on va la poser, ça tournera, ça commencera à faire un petit peu de ressources. Ou alors je la mets sur l'iron pour avoir du lapis et commencer à faire une vraie production de lapis chez nous. Et pouvoir peut-être commencer à faire les chain cubes avec nos ressources. Je dis bien peut-être. Ah mais il y a tout paille. T'es pas en train de jouer à LOL. T'es pas en train de jouer à LOL. Il est tombé. Départ en 27 pour les gros. Ouais, j'aurais pu split en 27. J'aurais pu split en 27, mais normalement c'est bon. Force d'être nul, c'est ennuyant. Oh, tu me diras quand je vous regardais jouer. Je crois que j'ai regardé une de vos games. Il y avait un Gnar au top. Il était pas foulichon. Il y avait un Gnar au top. Il était pas foufou. C'est pas le meilleur des joueurs de la game, on va dire quoi. Bon, la Lulu à des jungles non plus n'a pas aidé, mais. Mais j'ai pas fini. Mais comment ça, il me reste de l'émeraude ? Oui ! Pourquoi j'ai pas fini de prendre l'émeraude ? Qu'est-ce qui s'était passé dans la fois ? Ouais, d'accord. En même temps, quand le mec il fait un 9 face à un Singed alors qu'il hard counter Singed, on a beau dire ce qu'on veut. Il est pas fou, quoi. Il est pas fou quoi. Bon après je juge, j'ai pas vu les circonstances de la game, hein. je suis passé 30 secondes à regarder mais. On peut faire des choses intéressantes avec les émeraudes. Je crois que j'avais déjà regardé, j'ai déjà essayé de regarder hier. Hein. Enfin hier, il y a 2 jours. Hein. 3 jours même. J'ai déjà commencé à regarder s'il y a des choses intéressantes à faire avec, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. On était parti sur le market, mais vu qu'il est désactivé. Ah si, il y a l'armure de Tinker! Il en faut 4. Bon, du coup, c'est pas ouf. Parce que là, j'en ai plus que 4. Et on débloque des modes. Faire de la déco. Et bon, qu'est-ce qu'on va décorer? C'est une très bonne question. C'est terrible de pas avoir Excavate encore. De pas avoir le modifier pour. Et en vrai, alors 25 blocs d'Excavate. C'est vrai qu'il me fallait beaucoup d'iron pour excavate et du coup je l'avais pas fait je crois. Ou alors je l'ai fait, je l'ai pas mis. On va pas l'avoir crafté. Hein. Non j'ai pas encore crafté, ça fait une semaine quand... En fait ça fait une semaine que j'ai le manuline pour l'excavate, que j'ai pris le manuline et tout. Toujours pas fait. Hein. Toujours pas fait, bon on commence par quoi hein. On va commencer en douceur par les petits. On va commencer en douceur par les petits. Non, crescendo. Comment ça les gros évidemment. Et après on va être déçu par les petits si on fait les gros en premier. Vous voulez faire les gros? Non, mais attention, on va les faire quoi qu'il arrive. On commence par les petits. Hey Luluman, comment vas-tu? Training cats and dogs. Secours. Comment ça il despawn? Ah tu veux même pas les apprivoiser? Quoi cette arnaque? Tu vas encore mourir si tu fais les gros. Mais non. Par contre ça s'arrête un jour. C'est terrible. C'est bon. Hein? Je veux son bâton moi. Il m'a pas drop ce qu'il avait dans la main le bâtard. Ah yes. RIP XP. Ah yes. Ça sert à quelque chose hein. Rainbow Stone. On va vite. C'est trop marrant Etchensio. C'est trop marrant. J'ai l'impression que le Pigman il me suit en fait. Ding. Oh
Oh mais quelle horreur, mais, en plus ils ont des casques, ils peuvent pas mourir. Non, putain, ils peuvent pas prendre des dégâts du feu. Pas mourir du soleil. Bon, après ils vont s'entretuer normalement, je pense. Ouais, ils vont s'entretuer. Ouais, mais c'est Damien. C'est horrible. Regarde le Rainbow Stone, il me semble que ça peut servir pour générer un nouveau générateur, c'est vrai? J'ai Creeper qui spawn autour de toi. Alors ça je prends. Toujours de l'or, hein, c'est toujours gratos. Hein. Ah, fais des petits. Mais le problème c'est que là, il y a des creepers qui campent mon stuff, les gars. Ah, je fais comment? Je fais comment? S'il pète, il en fait spawn 10 lui ou pas? Faut-il encore qu'il pète et que je meurs pas avant? Alors, prendre de la bouffe. Yes. Il m'a l'air coincé le creeper. Il m'a l'air coincé un peu autiste. On va tirer l'autre. Ah non, on va le faire péter quand même en fait, parce qu'il a rien l'air du tout. Ça c'est bon. Oh. Non, le jeu a pas crash. Le jeu a pas crash. Ok, du coup. On va aller récupérer le stuff. Le stuff, non, le stuff, il n'y a pas des spawns encore. Normalement, le stuff, il ne despawn pas. Après, vu que la dimension a été déchargée, jamais. Ça ferait chier de voir au craft 3 stacks de Science Cube. Le stuff en lui-même, j'en bats les couilles. Les Science Cube, c'est le plus chiant. C'est bon, il est là. On a le stuff. Amen. On va récupérer. De toute façon, il reste plus rien là sur le token. Il reste que le cochon et puis. Le reste, le seul truc c'est que je sais plus on était à combien notre chance cube fait. Je crois que c'était 34 ici, hein. Si j'ai pas de conneries. Alors non. Alors non. Il manque la pioche. Plus important. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. La bouffe on a. L'arbalète on a, tout le reste on a. On va faire les deux petites chance cubes qu'on a en plus. Hop! Eh bien, désolé PNJ, hein. On voudra pas. Franchement, t'as rien. Regarde les traits du villageois. Comment tu l'as eu ta pioche? Je l'ai crafté. C'est pioche tincture et tout, donc c'est une pioche qui est faite à base. Il y a du cobalt, il y a un truc en chocolat, il y a un truc en papier. Chocolat, oui. Et en modifieur, j'ai mis un poil de fortune. Donc du lapis. J'ai mis quoi d'autre? Il y a quoi en modifieur? C'est tout, je crois. Non, j'ai mis le breakable. Hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va pas avoir autre chose. Je sais plus. Comment tu fais les modifieurs? Bah, juste tu les mets sur la pioche en fait. Et les modifieurs, en fait, c'est en gros quand t'es dans la toolforge, juste tu les poses et enfin, tu les mets avec ta pioche et voilà. Ah ouais, avec ta pioche ou n'importe quel outil que t'as crafté quoi. Cœur 5 a été ajouté à l'item. Attends, mais à ça? Ah merde! C'était quoi votre effet que j'ai eu? Slow, j'ai peut-être de garder l'œuf. L'œuf de slow, on va le garder. On va le garder pour la base. Bon, alors normalement, on a fini tous les petits. Là, c'est le moment où ça devient sérieux. Là, c'est le moment où faut pas que je faille en les posant les blocs. Hein. Ça devient la merde. Hein. Alors,
Ça fout le bordel, pas possible. Parce que là en plus, c'est toute la lave qui coule. Ça va partir dans la grotte et tout. Parce qu'en plus, ça fait sur plusieurs couches, je crois. Normalement, ça fait un chunk de lave entier, je crois. Si j'ai pas de conneries. Normalement, ça fait un chunk entier de lave. Ah, ou alors c'est terminé. Et pourquoi ça n'a pas mis ici? Ah, ça a dû. Pourquoi ça a mis plus bas? Ou alors c'est juste que ça remplace le sol le plus. Bah non, parce qu'on n'a pas mis là. Je sais pas comment ça fonctionne. Ou alors le serveur est dead. Hein. Pour elle aussi. Hein. Pour elle aussi. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de chunk. Ça remplace ces blocs. Ouais, mais il y a des blocs en dessous, tu vois. Ou alors ça remplace sur une certaine couche. Très bonne question. En vrai, je prends le manoir, je fous sur mon île et puis c'est réglé. Hein. Ça, en vrai, tu fais ça sur ton île, t'es trop bien. Le problème, c'est qu'il faut le faire loin, quoi. C'est terrible parce qu'en plus, c'est géant un manoir à faire. Ça va prendre 300 ans là. Oh, des bibliothèques. Il faut le bibliothèque, il faut le bouquin. Le serveur il est... Bah, en fait là niveau FPS c'est un petit peu la galère hein, pour le cacher. Ça vient pas du serveur du coup mais... Bon les sentiers sur l'île. Non, en vrai si j'en faisais sur mon île hein, je les ferais loin parce que t'as des trucs c'est terrible. Je crois que tu peux même avoir une explosion dans un réacteur draconique évolution et tout. Donc t'as des trucs qui ont quand même un très gros rayon d'action. T'as pas intérêt à les faire trop proche en plus quoi. Et c'est insane la hauteur en fait. Et quoi l'utilité de ta pioche? Juste de pouvoir casser des choses type cobble ou autre, ou d'aller miner dans le nether par exemple. Tout. Ah, l'intitulé de ta pioche. Je me disais l'utilité de ta pioche, j'ai mal lu. C'est que cobalt pickaxe. De toute façon, la tête, comme j'ai dit, la tête est en cobalt. J'ai dû faire le banding. Ouais, le banding est en papier et la tool rod est en chocolat. Alors, les chocolates tool rod, je l'ai fait avec les chocolats chopés dans les loot bags. Mais voilà. Hop! Oh, bon, on a un géant manoir comme ça. Bon manoir bien géant là, bien fat. Hein. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partir un petit peu plus loin pour faire les autres chaînes tube. En vrai, si lui, tu peux le garder intact, ce serait bien. Très cool. C'est Dark Cloud, hein. Comment vas-tu? Alors, ça va être quoi le prochain? Là, il nous en reste encore 3 à faire normalement. Hein. Ah non, attends, il nous en reste plus même. Il en reste 6, enfin 4, je veux dire. Et je crois qu'il manque un chance cube, hein, je vais lui faire de la merde. Oh, quelle horreur. Les beacons gratuits. Non mais en vrai, là il y a surtout les putains de blocs de ressources gratuits. Autant ouais. Faut que le beacon hein. Prends tout le reste hein. Si jamais j'ai besoin de... Ah, si... ah mais en vrai j'ai de l'argile et tout ça. Oh. C'est terrible. C'est terrible parce que là j'ai beaucoup trop de ressources. Beaucoup trop de ressources. J'ai des bibliothèques, j'ai des full show. T'as les effets? Non, y'a pas d'effet, y'avait rien dedans. Y'avait pas d'effet activé ou autre. Tong! Voilà, pour mettre Excavate. Comme ça, si jamais on a d'autres, Tenshu avec des beacons, on pourra tout récupérer d'un coup. En vrai, l'escavette, là, je pense que ça peut marcher sur la clé et tout ça, je sais pas. Peut-être sur l'obsidienne. Mais A sur un et mine les autres, non. Bon. Au pire du pire, je vais laisser les autres là. En fait, au pire, je vais même laisser tout ça. Et je vais venir les reprendre avec l'escavette. Là, ça m'a fait masse iron comme ça, pour faire mon modifier escavette. Je reviendrai les prendre avec l'escavette.
Ah mais du coup c'est terrible parce qu'en vrai ça fait tel... ça fait ouais, ça prend des zones immenses quoi. C'est terrible. Et voilà, ça s'est allé là-bas. Cette mare là sera semi-safe ici par rapport au reste. Bon, il y a des mobs qui vont venir me faire chier bien évidemment, il va me tirer une flèche, il va me faire. Voilà pourquoi c'est chiant quand tu fais ton chaîne cube. Voilà pourquoi c'est chiant. Ah non mais il tire pas lui. Il a une épée. Chez. Adieu le cheval. Adieu le cheval. Par contre, je pense que les gars, niveau bouquin, on est safe. Je pense que niveau bouquin, on est safe pour le reste du modpack. Je sais pas pourquoi. Je vais aller en donner une petite partie à BX quand il rejoindra le modpack. Je lui donnerai une petite partie à BX. Je pense qu'il va se mettre bien. Ouais, c'est terrible parce que ça continue à spawn en plus. Je sais pas si l'escavette il va marcher là-dessus. Genre, je prends ma pioche, je mets un coup d'escavette et boum. Moi j'ai escavette là. Est-ce que ça marche si je fais ça? Terrible, ça marche. Alors là, j'ai que Excavate 5. Faut voir comment ça. L'Excavate sera peut-être plus puissant celui que j'aurai sur la pioche. L'Excavate de la pioche sera peut-être plus puissant. On verra. Je finis les Chance Cube et je fais le truc. Mais il me manque un Chance Cube. Ah, mais c'est celui que j'ai fail. Je vais en chercher un chez Pierre. Attendez, on va aller chercher maintenant. Bon, on va aller faire l'escavate tant qu'à faire. Je vais chercher le chain cube chez Pierre. Je vais faire l'escavate chez moi. Je vais modifier en deux speed, je mets sur la pioche. Et puis on va récupérer tout ça. La pioche va dépop surtout. La pioche est incassable. Puis, là j'ai un Unbreaking 10 et ma pioche elle est incassable tout court. Ah ouais! Ah ça vient. Ça vient voler des ressources ici aussi, dis donc! Je suis pas le seul apparemment! Allez donc, Davlek! T'as vu? Un petit voleur! Il faudra 25 modifiants, je sais. Mais j'ai ce qu'il faut. Ah bon, c'est terrible les TP là qui prennent 300 ans. Mais si, il est en train de décéder là! Oh, j'ai le jeu, il est capoute! Oh, c'est pas le moment de crever le jeu. Vous avez quelque chose, vous? Vous avez un signal? Oh. C'est terrible que ça plante. Là, là, vu le temps que ça met, ça a forcément planté, mais c'est chelou. J'ai rien fait de spécial. Ah bah, le jeu, c'est carrément fermé, donc de toute façon, là, maintenant, j'ai ma réponse. Oh, nick. Bon bah dans un quart d'heure hein. Oh fait chier. Fait chier. Genre de la pub hein. Genre de la pause pub hein. De toute façon là il va rien se passer hein. Il va rien se passer hein. En plus il y en a pour trop longtemps là, ça n'a pas que c'est trop chiant. Bon du coup attendez. Je réfléchis, qu'est-ce qu'on fait là? Là on est arrivé à la base, on fait l'escavate. Alors l'escavate c'est quoi le craft? C'était Magdolin au milieu, Iron autour. Je crois qu'il y avait encore un autre truc, non? Et puis il fallait de la redstone, c'est que de l'iron. Je crois qu'il fallait 4 d'iron pour le craft. Il m'en fallait 100 du coup au total, vu qu'il faut 25 modifiants. De toute façon on va avoir le bouquin, pour avoir tout. Et puis en fait j'aimerais bien faire un solar panel aussi. Là j'aimerais bien avoir des solar panels, d'autres solar panels. J'aimerais bien avoir 2 solar panels en plus avant la fin du live. Fini les chains, on va récupérer les ressources et tout avec l'escavate et puis on fait solar panel. Très cool. Il lance le mode avec un multi MC ou avec Twitch? Directement avec Twitch, Jack. Pas directement par Twitch. En vrai, multi MC, j'utilise pas. J'ai jamais utilisé multi MC.
Si, j'ai peut-être utilisé MultiMC une fois ou deux à l'époque pour. Pour je sais plus quoi. Bon, c'était l'ancien launcher Minecraft en fait, j'utilisais MultiMC pour les records. Il fait exprès avec TF4 pour pouvoir passer des pubs, quel génie. Non, parce que ça me fait chier, on va rien faire pendant un quart d'heure tant que ça se lance. Sinon, j'aurais pu sieve des ressources, hein. J'aurais pris du gravier, tu vois, j'aurais sieve pendant 3 minutes et j'aurais mis des pubs, hein. Il nous reste combien il nous reste 2 géants à faire, c'est ça? Il nous reste 2 géants à faire. On est à combien là? 2 sur 7 hein. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Putain, il fait encore trop chaud dehors, c'est horrible. Enfin, dedans surtout. Combien dehors encore là? 32! Il avait annoncé qu'il faisait 30. Bon, après, au moins cette nuit il va pleuvoir. Demain il fera 22 au maximum de la journée. Ça va être terrible. Je vais me geler les couilles demain. Normalement, j'ai rien de prévu. Demain, pas moins de sortir, donc c'est bon. D'ailleurs, oubliez pas, hein. Samedi. Samedi, semaine prochaine, cité des éléments, hein. Oubliez pas. Oubliez pas, oubliez pas. Le 22 degrés qui va bien faire plaisir. Mais en vrai, 22 degrés c'est trop froid. En vrai, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est. Non, c'est bien quand il fait. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il fasse 27-28 degrés, tu vois. 27-28 degrés, tu laisses ouvert, il fait bon, l'air circule, etc. etc. tu vois. C'est bien 27-28 degrés, tu vois. C'est très bien. C'est bon quand tu sors et tout, parfait. 24 heures, je sais pas, Blacky, parce qu'en fait, alors le problème du 24 heures, c'est que. Je pourrais pas faire un 24 heures relancement parce que le dimanche, j'ai des trucs à faire. Je pourrais pas faire en fait, en vrai. 24 heures relancement, je pourrais pas faire. Et puis tout le reste de la semaine, j'ai des trucs à faire en plus, donc ça va être trop chiant. On va pas faire le 24h sur la cité des sables en fait, enfin sur la cité des éléments, sûr. Puis cité des éléments, c'est pas forcément un truc que je vais ultra rush, en vrai j'ai pas y jouer non plus des masses et des masses, hein. Je vais y jouer en live, sûr pendant une semaine il y aura que cité des éléments en live. Après j'ai pas pu s'y jouer que ça hors live. Parce que, attends, ouais le 3 août j'ai des trucs à faire, après tous les soirs de la semaine j'aurai des choses. Il y aura juste jeudi, vendredi j'aurai rien. Et on arrivera dans la période où au final ça sera la famille et tout ça. Peut-être du jeudi au vendredi je pourrais faire un 24h cité des éléments. Alors, en fait ça ferait un 24h cité des éléments en plein milieu de l'event, ce serait pas forcément. Puis moi j'aime. Non mais 24h sur Minecraft les gars, je vais me pendre. Hein. C'est mort hein. 24h sur Minecraft, je vais me pendre. Hein. Cigarette en fond d'écran, ouais c'est Irelia, mais c'est pas en fond d'écran, c'est Oh, elle est où l'image? C'est juste une image j'avais mis comme ça parce que je fais du LOL avant. Ouais, parce que c'était pour les lives de LOL en fait. J'avais laissé ça en fond. Et forcément que sur la cité. Ouais, après je sais bien mais. Ouais, je sais pas, je pense que ça pourrait pas. Je sais pas, faut y réfléchir. C'est pas n'importe comment non plus en 24 heures. On est à combien de follow? On a les 20 000 follow en plus. Ouais, si, 24 heures. Il faudrait que je récupère bien. En fait, le problème c'est que ça serait quand du coup? C'est pas la semaine prochaine, c'est encore après. J'ai rien à dire. Attends, mais si, c'est ça. C'est dans 2 semaines. Je le ferai par exemple. Je starterai le jeudi midi. Et je terminerai le vendredi midi. Après, moi j'ai mes parents qui arrivent le vendredi soir. J'aurai la tête dans le cul. Elle est complexe hein. C'est complexe hein. Ouais, je pourrais faire ces éléments, je pourrais faire un petit peu de FTP pour avancer sur FTP, je pourrais faire du Teamfight Tactics, je pourrais faire du LOL, je pourrais faire du piano, je pourrais faire plein de choses. En vrai les 24 heures on les tient large, j'ai déjà fait un 24 heures récemment avec Celestia, on a passé 15 heures sur Celestia les gars, c'est... je pense après. Hein. En fait, vendredi samedi, ça serait mieux un week-end, genre je peux pas en fait Blacky. Parce que moi, comme je dis, en gros, en fait, moi, le week-end du, enfin, le 11 août, c'est genre toute la famille, quoi. C'est en gros, c'est plusieurs anniversaires qui sont faits en même temps, je sais pas. Sauf que j'ai mes parents et tout qui arrivent à partir du 9, le vendredi au soir. Donc bon, je
peux pas en fait. En fait, si je fais un 24 heures sur les cités des éléments et tout, c'est uniquement du 8 au 9. Je peux pas faire autrement. C'est uniquement je start jeudi midi et je termine vendredi midi. Après, c'est les vacances, hein. C'est les vacances, hein. Puis les gens qui travaillent la journée, ils seront là le soir et machin, ceci, cela. Ça devrait pas poser de problème de faire ça. C'est sûr que c'est mieux de faire ça un week-end, mais là, je pourrais pas. Y'a pas de week-end de libre. Ou alors je commence le 3. Non, sinon j'aurais pu commencer. Faut vérifier un truc sur mon tel. Putain, j'ai pas mon téléphone. Nick! Fuck. En plus, je fais chier. En fait, ouais, j'aurais peut-être pu faire ça du samedi au dimanche. Après le samedi, après le dimanche, j'aurais été éclaté. Mais. Je sais pas. Si je start samedi midi, que je fais jusqu'au dimanche midi. En fait, si je start samedi midi, je fais du FTP, je fais du piano, je fais tout ça. Enfin, je fais plein de choses. Et ensuite, le soir, c'était des sables. En ce moment, tout ça, tout ça. Je fais ça toute la nuit. Je sais pas quelle heure avec Pierre, etc. Si je suis dans la team de Pierre, bien évidemment. On ne sait pas encore. Et ensuite, je peux essayer de faire ça. Je peux essayer de faire ça, en vrai, le 24h. Ouais. Ah bah ouais. Ouais, ça passe. Ça passe grave. Bon, sans nous le pack là. Enfin, 6 sur 7, terrible. Non, je pense. Du coup, c'est samedi prochain. Bah, du coup, ouais, samedi 3, je pourrais faire un 24h. Comme ça, ce serait le lancement de la Cité des Sables et tout ça. Ouais, je serais éclaté comme pas possible pour le dimanche 4. Pour le 4 au soir avec. Ouais, la tête au-dessus de ton four. La tête au-dessus de mon four. Ah putain, sur le modpack. La petite tête, le petit smiley au-dessus de ma forge sur le modpack. C'est un nuage que j'ai eu, c'est un petit nuage que j'ai rename au Blacky. Simplement. Simplement, simplement. C'est quoi le modpack? C'est Ragna mode 5. En fait, le dimanche soir, j'ai raid. Pour vous. Là, je vais être éclaté comme jamais avec la nuit blanche, mais. Je vais tellement pas tenir le raid avec la nuit blanche. Oh. Ça va être terrible. En fait, du coup, ça veut dire que je vais devoir me lever le samedi matin et je vais pas devoir me coucher avant dimanche minuit, quoi. Et mec, je vais dormir jusqu'à 15h le lendemain, en fait. Hein. Faire une sieste. Ouais, mais je vais être full déréglé, en vrai. Enfin, en vrai, je me reposerai, je pense que je ferai une sieste. Je pense que je ferai une sieste, ouais. T'en fous. Au pire, nique le raid, de toute façon, je fais des trous du cul dans la guilde. Non. Non, ouais, non, panique le raid, mais on va être là quand même, faut déconner. Plus il casse, ça marche, à la prochaine, Kaishi. Ouh. Non. Oh, ouais, j'aime bien raid. En plus, là, le raid il est cool, donc bon. On est 7ème FR, donc on va éviter de tout niquer quand même. Ouais, ce modpack il se lance là ou ça se passe comment? Bon, à citer Patrick vs Stardust vs Coopteam vs Trudic. En fait, le truc c'est que. Les teams, on le sait pas. Tiens, c'est ça qu'il faut que je demande. C'est ça qu'il faut que je demande avant qu'ils fassent les teams, avant que ça fasse de l'ami. Saluté. Je me demandais, point de vue team, vu que tu as dit que tu organises ça en fonction des personnes invitées, etc. Je me demandais. Demandez, c'est qui genre les teams. Voilà, ouais, il est lancé. On est parti. Alors, ça ne sert à rien dans les raids. Non, je suis premier. Septième FR, sans que je te vois jouer à WoW, je suis pas contre cette idée, mais j'ai un doute.
te faire un screen si tu veux. Hein. Je suis premier FR sur pas mal de boss. Hein. Je te fais un screen si tu veux, hein. Y'a pas de problème. Hein. Ouais, je lance le jeu, je te montre mon. Je te montre, y'a pas de problème. Hein. À tout moment. Hein. Tiens, je te dis, tu sais rien, donc tu piques les boulets des autres. Non, je joue War en plus. En vrai, War c'est fat sur ce palier là en plus, donc c'est utile. J'ai oublié d'avoir des War. Hein. Là, on est sur le 5ème boss. On a commencé à pull un peu le 5ème boss hier, mais. On sait qu'il y en avait, ils étaient un petit peu saoulés par le boss. Hein. Ah ouais, il a un petit peu du caca. Hein. Bon, j'ai Etienne's Cube. Alors, est-ce qu'il y avait temps? Wait. Ça sera dispo quand même. Très bonne question. Très bonne question. Je sais que j'en souvent j'ai trop de trucs. Bon, j'ai trop de trucs. Hein. Trop de trucs à gérer. Je sais pas où donner de la tête, mais faut que j'organise ça. J'organise ça quoi. C'est vrai que j'ai pas mal de progrès et je trouve ça être étonnant de pas te voir jouer et être aussi bien placé, c'est tout. En vrai, là depuis la sortie du raid, j'ai dû passer 100 heures sur le jeu, je pense. Et je suis en moyenne à 10 heures par jour dessus, sur le jeu, c'est tout. Je, en fait, je prends juste un créneau en fait dans ma journée où je live, quoi. Mais en dehors des lives, je suis sur le jeu, en fait. Simplement. Mais je live pas du WoW parce que j'ai une communauté qui est orientée Minecraft, etc. J'ai pas forcément envie de... mélanger toutes les communautés, j'avais fait un petit peu de live WoW au début, mais pas tout mélanger, c'est chiant de live WoW, parce qu'entre ceux qui veulent du vocal, entre ceux qui veulent pas, entre machin, bref. Un petit peu la merde. Puis il y a très peu de personnes qui comprennent WoW en vrai, donc... Et j'en ai foutu de mon truc. Il est mignon, mes modifiants. Pure inconnu quoi, vois-tu. Pure inconnu, il s'est fait subgift tout à l'heure, il arrive maintenant, bonjour. Terrible. Tu peux me donner ton serveur, ton pseudo WoW, je suis sur... je t'envoie par MP, Lurio. Je t'envoie par MP, normalement, l'accent c'est ça, et c'est sur IGEL. Oh, si tu ne joues pas, c'est plutôt compliqué à comprendre. Oui, c'est un peu le bordel. Après j'ai pas énormément de stuff, là je suis en e-level, je suis 432 je crois. J'ai pas énormément de stuff comparé aux autres. Un petit peu en dessous des autres de la guilde. Alors. Bon du coup. Il nous restait deux gros chains queue à faire. C'est le début de la nuit par contre, c'est chiant. On va les récupérer vite fait. On va les récupérer vite fait tout ça. Hop. Ah, c'est quand même bien plus pratique avec le... avec les scarrettes. Ah bon. Mais ouais, ça fait très longtemps que je joue à WoW, ça doit faire... ça fait plus de 10 ans que je joue à WoW en fait, et que je joue très souvent à WoW, mais... moi j'ai jamais plus intéressé que ça en fait dans stream. Enfin si, en vrai j'aurais bien aimé en stream du WoW tu vois, mais bon c'est une communauté trop différente de celle de Minecraft ou autre, donc... je veux pas faire les deux pour moi en vrai. À moins d'avoir vraiment une énorme communauté très fidèle comme celle de Zerator par exemple, ou même DMV ou autre. Et alors on va essayer de pas fail. Putain, m'a fait peur le con. C'est terrible ces mobs hein. Et m'aurait fait fail, j'aurais été trop déçu. Ah ouais, j'aurais prendre une wand quand je les pose, je pense. Bref. Je crois que c'est la sphère de liquide. Je crois que c'est les sphères de liquide, ça. Normalement, c'est une sphère de liquide. Oh, c'est quoi comme liquide, ça? Du poison.
Panique. Panique. Et quoi, on va reposer celui-là à côté, hein, parce que bon. On va essayer de dégager la sphère de poison si possible. Cours! À l'aide! Oh, ça reste un MMO, tu tapes, tu te fais taper, t'as des dans tous les sens, un MMO quoi. Des SFW? Non, des NSFW, non? Ah, des SFX, je me disais. Ouais, ça change pas grand chose de ce que j'avais en vrai. Ouais. Ouais, c'est pareil qu'avec le crocheur. Bon, sauf que là, je suis en incassable et du coup, je me fais pas niquer mon crocheur pour des bibliothèques quoi. Mais bon, reste kiff. Pluie de bouquin. Fais gaffe à ta faim. Putain, c'est vrai que ça me coûte masse bouffe par contre. Ça, c'est terrible l'escavate. Hein. C'est que ça te coûte autant de bouffe que si tu les casses un par un. Sauf que vu que tu les casses sous un coup, bah forcément, toute ta bouffe part d'un coup aussi quoi. Bon, il y aura 3 bibliothèques qui voleront, nique. Hein. C'est même excavate après hein. Ouais mais là tu vois c'est pas un excavate 5 par exemple tu vois, enfin là c'est pas vraiment le même excavate parce que l'autre c'est un excavate d'enchantement qui est de 5 et puis là c'est un excavate avec Tinker en modifier. Je me suis dit il y en a peut-être un qui aurait été plus efficace que l'autre tu vois. Fini le stream à quelle heure? Bah pas de suite parce que j'ai encore quelques trucs que j'ai envie de faire avant de cut le stream mais demi-heure truc du genre. Je pense. En vrai, j'aurais jamais de quoi prendre tous les bouquins. C'est pas que le sujet là. Après, je suis assez discret. Hein. Puis en vrai, je joue très rarement en progress en fait. Enfin, le truc, c'est que ça me gonfle. En fait, ça me gonfle souvent parce que ça me tilte de mon. En fait, il y a plein de trails qui me tiltent à chaque fois. Parce que t'as des gens, ils font des erreurs vraiment connes. Alors, faire une erreur, je m'en fous, tu vois. Faire une erreur, ça arrive à tout le monde, tu vois. Le truc c'est que par exemple hier hein, sur l'Orgozoa là on a y a un mec qui est sur 10 try il s'est pris 5 fois un spell. Enfin, on va te dire non. Enfin, on va te dire ah bon c'est pas tout mais on a autre chose à foutre quoi. On a autre chose à foutre que poule pour rien quoi. Enfin. Hop. Bon c'est vraiment par crash. Bon je vous préviens si jamais je recrash je relance pas le mode pack hein. Pas déconner hein. Désolé de la médiance, c'est désolé pour ta gueule. Y'a pas de soucis, alors y'a pas de soucis. Et merci. Et encore, en vrai, on n'est pas une grosse guilde. Hein. On est. En fait, on a des bons joueurs. Et en même temps, on a des joueurs très casu qui sont pas du tout optimisés, qui se connaissent juste pour être, qui connaissent pas les strats, qui machin. Bah, donc en vrai, y'a de tout quoi. Y'a de tout, y'a de tout. Par contre, les bouquins, on se ferait pas un drawer pour les bouquins. On pas quelque chose pour les, pour les bouquins. Terrible! En fait, même le drawer il va jamais tenir. Oh, je vais mettre des upgrades, on fera ça une prochaine fois. Parce que là, il est quoi? Il est full en fait. Yes! Quelle horreur! Le number hack, ça va pas plus efficace. Je sais pas si ça marche sur des bibliothèques. La World Cup de Fortnite, j'en pense que je sais même pas si je vais la regarder parce que fuck Fortnite. Hein. Non, en vrai, je sais pas. En vrai, en fait, si, j'ai sûrement regardé pour voir le show en fait. Pas pour voir les games ou autre, juste pour voir tout ce qui est autour, tu vois. Toute la prod, etc. J'ai regardé pour ça en fait, tu vois. Parce que ça reste quand même dans le stade où jouent l'US Open, le tennis, etc. Tu vois, ça reste quand même un endroit assez mythique et tout. Il a l'air d'avoir une grosse prod autour donc voilà, j'ai surtout regardé pour ça en vrai. Mais après le score qui gagne, qui machin, je sais même pas. Je sais même pas c'est qui les joueurs en fait tu vois. Je sais même pas qui sont les joueurs en fait qui ont participé, je sais même pas tout ça, franchement je m'intéresse tellement pas à la scène compétitive de Fortnite, je m'intéresse tellement pas à Fortnite au cours que je saurais pas vous dire. C'est pas un jeu de merde, hein, c'est pas un machin, hein, je critique pas le jeu haute, hein, c'est juste que moi c'est clairement pas mon type de jeu. Hein. En fait moi Fortnite je trouve le jeu ultra bien. Le jeu serait ultra bien s'il n'y avait pas le système de construction.
Parce que c'est un battle royale mais qui est casualisé. T'as besoin d'aucun skill pour tirer, t'as besoin de machin, enfin c'est. Enfin franchement tu tires dans les. J'ai envie de dire Fortnite tu tires n'importe où, tu touches le mec hein, genre. Une fois plus dur de toucher une balle, t'as pas de. Une fois plus dur de toucher une balle sur PUBG ou autre que sur Fortnite, quoi. C'est ça que je veux dire. Non pas que c'est pas skillé hein, mais c'est juste que le skill cap est plus limité. Le skill cap en vrai sur Fortnite se fait surtout sur la construction quoi. Et moi c'est une mécanique du jeu qui me gonfle quoi. Ça m'intéresse clairement pas. Si je veux construire, tu vois, je joue sur Minecraft quoi. J'ai plus de temps que sur Fortnite pour construire quoi. Hop! Bon, ça va pas mal de ressources, il va falloir que je commence à faire des petits blocs aussi. Donc on a dit, il nous fallait des solars pendant un an. Il nous fallait des solars pendant un an. Il faut deux trucs comme ça. C'est-à-dire 4 trucs comme ça. C'est-à-dire 16 trucs comme ça. Soit. Attends. Deux trucs comme ça. Il nous fait 4 trucs comme ça. Et 16 trucs comme ça. Il nous fait 2 stacks de trucs comme ça. Donc il va falloir 2 stacks d'iron. On va prendre 3 stacks d'iron. On va prendre la cobble. On va prendre toute la redstone. On va prendre un peu de cobble. On va prendre un petit peu de bois qu'on va mettre en planche. Et il va falloir énormément de verre. Ça par contre c'est terrible. Terrible joueur du... erreur du joueur français. J'ai pas pris de verre. On a pas du sable. Attendez. Attendez. Ah mais c'est vrai qu'il est rempli de conneries ce truc. C'est vrai qu'il est rempli de conneries ce truc. Terrible. Bon on va faire du sable hein, c'est pas grave. Oh ouais. Il y a un rideau qui vient de se casser la gueule littéralement. Ok. Bon, y en a plus là, hein. Y en a plus qui tiennent debout. Hein. Là concrètement, y a plus aucun rideau. Hein. C'est, là, je pense qu'ils ont dit fuck avec la chaleur. Hein. Non, ça fait beaucoup trop chaud. Même moi, je suis en train de crever là, genre. Hein. Je sue comme jamais. Ok. On se bien. Ah voilà. On va faire du sable. Du coup. Enfin du verre. F. Même plus un, si il en reste un. Il en reste un sur les trois. Bien un cigare pour bac parce que si c'est papa, tu peux mettre des bâtons dedans. Ouais je sais mais alors en vrai. Je commence à me faire chier à mettre des bâtons pour avoir des loot bags alors que j'en ai 4 milliards ici. Pas grand chose. En fait, c'est terrible, c'est que là il va me falloir bien plus de verre que le reste. Je crois qu'il me faut 6 stacks de verre en fait. Puis vraiment du cul ce truc. Je crois qu'on va en faire cuire partout. Hein. On va en faire cuire partout. Je vous ferai penser, prochaine fois on fera le four de thermal. On fera un vrai four pour faire fondre des vraies choses. Parce que là, ce four là il est très bien en Orly. Hein. Alors qu'est-ce qu'il est mou de la bite? Qu'est-ce qu'il est mou de la bite? C'est terrible. Attendez, il faut que je check un truc. Il va y avoir un drop ou deux. Il n'y a plus d'OPSP sur Twitch. C'est triste. Bon, ici, j'en ai pas fait une seule. Tu veux un four cuit dans ta pièce. Je suis sûr, mec, si je mets un œuf sur le PC, il cuit. Pif. Alors. Comment ça il me restait des trucs? Ah ouais mais ça va tout me casser là si je commence à faire des choses en plus avec ce que j'avais en rab. On va le faire. Ça m'a dit qu'il me fallait deux stacks hein. Ouais voilà j'ai plus de sable. Plus de verre, plus rien.
C'est comme l'un qui a mis de l'œuf dans sa tour. Ah, t'es vous plaindre, j'ai froid, moi il fait même pas 20 degrés. Si tu veux, on échange, hein. En fait, c'est mieux quand il. Enfin, c'est plus agréable qu'il fasse trop froid que trop chaud. Parce que s'il fait trop froid, tu te couvres. S'il fait trop chaud, tu veux pas te découvrir au bout d'un moment, tu vois. En plus, là, je suis en live, donc du coup, je vais être habillé. C'est ça le problème, c'est ça le pire en fait. Et que là, en vrai, à poil, il ferait bon, tu vois. Mais là, je vais être habillé et c'est terrible. Et ça, y'a. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Et non. Et non. Merde. Je voulais faire, mais c'est pas grave. Hop. On va mettre un petit peu à cuire. Voilà. On sait, il fait le Lost Smelter. Je sais, mais j'ai plein de trucs à faire, ouais. J'ai plein de trucs à faire, mais il faudrait déjà un vrai four en fait, surtout. Avant de faire le Lost Smelter. C'est bien beau de faire des alliages, mais les alliages, au pire, je peux les faire en Tinker. C'est ce que je fais depuis le début et ça pose aucun problème. Le souci, c'est juste que j'ai pas de quoi faire cuire efficacement des choses de base. C'est vrai que maintenant on a 4 Nether. Ah bah tiens, en parlant de Nether Star, je vais aller check s'il n'y a pas un petit passion bag qui traîne ou autre. Parce que d'habitude, c'est vrai qu'on. On a toujours 2 passion bags à la fin. Putain, il n'y en a pas terrible. Est-ce que je peux vider un petit peu tout ça, voir si ça va se remplir? Non, normalement ça va pas se remplir en fait. De toute façon, ça remplace directement. Ça sert à rien que je vide. Des bruits. C'est quoi ces mobs qui font des bruits chelous comme ça? Chiloute. Qu'est-ce qui chiote? Le smelter avec les capacitors LES, c'est OP. Le Lloyd Smelter, il peut aussi servir de four normal. Hein. Avec 3 slots. Ah ouais? Ah oui, mais il faut désactiver le truc. Mercure du verre? Mais après, j'aime bien avoir le four de thermal aussi, qui est quand même pratique. Quoi qu'il arrive. Pour l'automatisation, pour l'auto-input et pour l'auto-output, juste en foutant. En fait, tu vois, comme le pulvériseur, je t'en mettant un coffre devant, un coffre derrière. Franchement. Et Wizard 4 pour les bruits chelous, si je me trompe pas. Ah ouais? Apparemment, dit des bruits de chat, mais. What? Y'a plus de bois. F. Plus de bois. Ok. Normalement j'ai 7 bois. Mais le plus de verre. Ça nous fait déjà un stack et cœur. Bon, il nous manque plus de toute façon que 49 solar panels. Et puis après, on pourra crafter ça. Il faudra que je fasse des pistons. Ça, c'est des matériaux. En vrai, il faudrait déjà que je fasse des pistons maintenant. Il m'en faut combien? Il m'en faut 16. Voilà. Moi, je suis tranquille. Ça, c'est bon. Après, il me faudra des blocs d'iron, des repeaters. Et après, il me faudra des blocs d'iron et une clock. Pourquoi le stack du Reinforced avec l'Opsy fonctionne pas sur Tinker avec une pioche? Normalement, ce qu'il te faut, c'est un. C'est quoi le nom du modifier? Ce qu'il te faut, normalement, c'est ça. En fait, il te faut Reinforcement et il t'en met. T'en mets combien de ça? Je sais plus comment t'en mets. Tu dois en mettre genre 5, un truc comme ça, sur ta pioche. Je crois que ça te consomme un modifier à chaque fois. Ça te consomme un modifier à chaque fois en fait, tiens. Et en gros, tu mets ça, t'en mets 5 sur ta pioche, mais il te faut 5 modifiers. Faut 5 slots de modifier. Et c'est pour ça que moi j'ai mis du chocolat et que j'ai mis du papier. Pour avoir plus de modifier. Tu peux en mettre un. En fait, si tu peux pas en mettre un deuxième, c'est parce que t'avais pas assez de modifier sur ta pioche. Normalement, tu vois, en dessous de fortune 1, t'es censé avoir écrit ton nombre de modifier. Moi, c'est pas écrit parce que j'en ai plus de libre.
En gros, tu peux pas mettre tout et n'importe. Enfin, tu peux en mettre trop de modifiers sur un outil, quoi. T'es limité. Et à chaque fois que tu gagnes un niveau d'XP, tu débloques un modifier. C'est pour ça que généralement, tu peux pas tout mettre sur une pioche. Tu peux difficilement mettre du fortune, du speed, du machin, de l'escavade, de l'unbreakable, etc., etc. T'as plus de place en fait. Voilà. T'as plus de place. Tout simplement. Donc soit tu vas miner beaucoup de blocs, soit tu vas éliminer beaucoup de blocs, soit t'es niqué. En vrai, si ta pioche assez rapide, tu peux éliminer full Nezorak, ça va assez vite. T'en mines 10 000, puis c'est bon quoi. Faut-il encore avoir la foi d'en miner 10 000? J'aime pas si j'ai mis assez de sable à cuire et tout ça. Je vais remettre un petit stack à cuire quand même là-dedans. C'est ton genre. Ça fera du sable en rab. Paf! C'est que 5 inventaires, c'est rapide avec CV. Bon, c'est rapide avec CV, ou même le Nezora, de toute façon ça se fait très très vite aussi. Tu cours tout droit dans le tas sans réfléchir et puis tu mines tout ce qui trouve, tout ce qui passe devant toi quoi. N'ayez pas assez d'iron. J'ai clairement pas assez d'iron pour tout faire en vrai. Quoique normalement si ça passe. Normalement je suis bien. Donc là il va falloir d'arriver. Ah putain, mais il faut ça en plus. Ça me gonfle déjà. Ça me gonfle déjà. Ah mais là j'en ai fait que 4, il m'en faut combien? Terrible donc il va en falloir. J'en ai fait que 4, il m'en faudra 12 je crois. Bien. Ok. Là, on va en refaire un. Encore trois. Parfait. Après, il m'en faudra encore pour le truc d'après. Mais on fait solar panel par solar panel. Il va me falloir beaucoup de stone, de la redstone et de torche. Alors de la stone. On arrête tout. Elle est sur moi. Ah, j'ai quoi ça en reste là? Ah non, parce que j'en ai à côté. Mais oui, après, Roi fête son anniversaire sur Stiestas. T'attends, tu peux passer lui faire un coucou, éventuellement lui faire un petit cadeau. Ça marche, HL. Ça marche, ça marche. Pour un Gigahost. Ouais, pour le Gigahost, après, il faudrait qu'il. Et on s'en live à quelle heure? À 18 h? On continuera le live. Là, je vais live jusqu'à 18 h pour le host. Je vais live jusqu'à 18 h pour le host, et puis je vais lui faire un gros coucou. Je vais lui faire un gros coucou. Comment t'as un golden modifier? Je crois que c'est un truc. Je sais plus comment t'as un golden modifier. Avant c'était pas chiant à voir. Attends, ça a été modifié. Je suis un connard en fait. J'ai oublié que ça avait du x2 à chaque fois. Je me disais, ça m'a coûté vachement plus de ressources que la première fois. J'ai oublié que ça avait du x2. J'ai crafté deux fois trop. J'ai crafté deux fois trop. Enfin, c'est pas grave. Hein. Ah, mort énergie, hein, overkill, hein, voilà.
Faut que je fasse ça deux fois. Du coup, il me faut deux cloques. Ok, est-ce que j'ai chaud? Beaucoup trop chaud. J'avais pas des miroirs qui traînaient dans ce bordel que j'avais crafté un trop parce que j'étais en mode nick. Tellement la merde ces coffres, c'est une horreur. Faut que je vire les bouquins. Faut que je vire ces bouquins. L'argile. El famoso Achilles. Donc le craft du modifier gradif va être doré en droite. Je vais check après. Je finis mon craft qui me retourne le cerveau là. Et je check ça après. Comment ça j'en fais deux? Du lapis. La gueule. J'ai même pas assez de lapis pour Minecraft, alors pour Machine Cube j'en parle pas. Mais j'avais des composants là-dedans. D'argile. Alléluia. Cramé beaucoup de ressources. On peut le dire, j'ai quand même beaucoup de ressources. Mais au moins maintenant, au moins, là on se met bien. C'est-à-dire que j'ai mis mon bouquin, je l'ai mis à côté je crois. Ah non mais je l'ai pas mis à côté, je l'ai pas pris en fait. Demandez pas pourquoi j'en duplique encore un. Moi-même je ne sais pas. Voilà. Normalement ici on a la base. Hop, ici on l'a, ici on l'a. Voilà. Parfait, en énergie on est comment? C'est la dèche. Et maintenant, on n'a plus un problème. Du moins la journée. En vrai maintenant on a combien de production? 256 normalement fois 6, sachant que ça, on va dire que chaque panneau va produire 100 en moyenne à la journée. Donc on est sur les 600 RF par jour en moyenne. Parce que comme j'ai dit encore la journée ça produit pas tout le temps tout la même dose. Donc on est sur les 600 RF par truc. Donc là on a une consommation globale de 300, d'un peu plus de 300 je crois, on est à 240 avec ça, plus 360, on est sur du 400 en consommation. Bon c'est simple, on a combien de machines? 4, 7, 10, x 40, évidemment, 400, donc on est large. On a 200 RF partiques en RAB, si jamais on veut pulvériser, si jamais on veut mettre un petit coup de micro-constructeur, si jamais on veut crocher un petit coup, si jamais on devra cuire des choses plus tard aussi. Donc voilà. Et là on est bien, j'aimerais bien passer la nuit. Je sais pas s'ils peuvent passer la nuit. Oh, j'ai de la... Après j'ai en rab, c'est pas grave. J'ai de l'énergie en rab. Bon. Merci pour les follow, bienvenue à vous. Et toutes ceux et celles qui ont follow. On a pris tellement de follow rapidement en vrai. J'étais à combien avant FTP? J'étais à 19 000 et quelques mais... Ouais voilà, et là ça remplit beaucoup plus que ça ne consomme avec ça quoi. Pourquoi on peut pas mouler une sword blade en diam ça avec Tinker hein. Parce que y a pas d'outils. En fait en diamant je crois pas que tu puisses faire de trucs. Je crois pas que tu puisses faire d'outils en diamant, tu peux faire en diamatine, etc. etc. Je crois pas que tu puisses en faire en diamant avec Tinker, je sais plus. Ou tout simplement parce que c'est pas disponible en tout cas. Le diamant fond pas. Le diamant fond. Le diamant tu peux le faire fondre. Tu peux faire fondre de la diamond dust et tout, tu peux faire couler du diamant après. Mais c'est pas toi qui décide. Voilà. Non mais en tout cas tu ne peux pas avec le diamant, ouais, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas. Faut que tu trouves quelque chose d'autre. Après, en vrai en début t'as plein de matériaux qui sont très très forts en dégâts. T'as plein de matériaux qui sont très très forts en dégâts. Ils sont plus forts qu'une épée en diamant, c'est pas mentir. Sans te faire chier à devoir aller ultra loin. C'est simple, hein. tu tapes Sword Blade.
check comme ça, tu check un petit peu les dégâts, tu vois que le cobalt bah, ça fait pas de dégâts, et par exemple, premium ça fait très mal, le rubis fait un petit peu de dégâts. Hein. Faut que tu regardes, en fait tu te balades comme ça, tu regardes les dégâts d'attaque, hein. Tu vois que l'Emradic fait mal, hein. L'Aristonia fait un petit peu mal, hein. Pas au fou. Ouais, t'as la Diamatine par contre qui tape en vrai. Hein. J'ai pas volé la Diamatine non plus. Tape pas. C'est l'Emradic qui tape le plus fort. Ouais, tout dépend de ce que tu recharges aussi. Ah ouais, t'es pas obligé de prendre une base qui a beaucoup de dégâts. Si l'effet est plus intéressant que les dégâts, vas-y. Tu peux toujours rajouter des dégâts après par la suite avec du quartz, donc bon. Ouais, t'as du en steel, ça tape pas mal aussi. En flux, ça tape pas mal. Plein de bombes, les petites épées comme ça. Et ouais, il n'y a pas l'air d'avoir des masses de matériaux en vrai pour ça, pour les épées. Je viens de drop Ultimate Furnace dans un reward de quête. Tu te moques? C'est vraiment Ultimate Furnace de. Enfin, ça, c'est terrible. En vrai, il me le faudrait tellement. Ça serait tellement fat. Tu cuis ultra vite. Tu cuis 9000% plus vite. Et surtout, tu consommes 9000% moins en fait. Du coup, avec un charbon, tu cuis plusieurs stacks. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Avec du tiny charcoal là, ou tiny coal ou autre, tu cuis plusieurs stacks. Rien, avec du tiny. C'est insane, hein. C'est insane, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à jeter un petit peu de ce qui m'intéresse pas pour faire de la place. En vrai, faudrait que je mette un filtre, que je prenne qu'un certain truc, et que le reste je jette parce que ça, j'utiliserai jamais. Mais on fera ça. On pourrait faire ça maintenant, ouais. Un filtre ici, je mets une priorité, et puis je prends que la redstone, la skystone, et puis la grain of infinity. En vrai, même la skystone, j'en ai plus besoin, j'en ai trop. Je prends un redstone, grain of infinity, et puis le reste, ça dégage quoi. Ouais, attendez! Tout ding, dedong. Les upgrades en émeraude pour les drawers. Faut que je fasse une chose. Il l'a réagi, bah c'est ça quoi. J'utiliserai jamais, il dit encore ça lui. Tu veux en fasse quoi du cinnabar en fait? Genre de joke. En fasse quoi de la Galena? Enfin, j'ai même pas si je vais faire un dossier de la surnaze dans ma vie sur ce pack, hein. Je sais même pas. C'est vraiment le bon bail de le faire pousser là. Dans le cul, hein. Bon, écoutez. Ah, par contre, c'est quand tu veux pour spawner. Je veux bien te bourrer le cul à la bonne mille. Hein. C'est quand tu veux pour pop. Hein. Ah, peut-être trop T3. Hein. Advanced Rocketry. En vrai de vrai, j'ai envie de le laisser là. En vrai de vrai, on peut le laisser là. Pas de problème, il emmerde pas. Il emmerde personne. Un peu de déco. Je vais le laisser là quelques jours. On va le laisser là quelques jours. Bon, quand il me gonflera, je dégagerai, mais. On va faire RP, on va lui foutre de AdWords au cul. AdWords. Encore plus moche, mais c'est pas grave. Ouais, par contre, il faudra que j'ai même usé à se torcher dans le truc. Terrible! J'ai plus d'énergie en plus. Magnifique, maintenant. C'est trop ça. Faut pas shift-click. Chiant.
Des doges. Niveau des doges, niveau du jabou. Mais attends, les charbons, j'en ai à voir là-dedans maintenant. Là-dedans? Là-dedans? Ah, le charbon, tu l'as que dans l'iron. Ah, en vrai, dans le diamant, t'as trop de merde, hein. C'est insane. Hein. Faudrait que je fasse un filtre sur une poubelle en priorité en mettant tout ça. Comment tu fais le moule des gemmes de diams? Là? Là? Avec ces choses-là. Avec une émeraude. J'aime pas ce que je cherche, putain. Je suis en train de bugger devant le coffre. Sans aucune raison. Terrible à torcher ce truc. Ça va que ça spawn pas sur les feuilles en vrai. Bon, les branches que j'ai loupées. Bon bah les branches que j'ai loupées, je vais les faire maintenant. Tutulu, coucou, je suis nouveau. Et bah merci beaucoup pour descendre vite, hein. Et bienvenue à toi Azerty. Bienvenue à toi, comment as-tu? Comment as-tu? Merci beaucoup pour descendre vite. Y'a plein de nouveaux qui arrivent sur la chaîne, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes et de voir aussi d'anciennes personnes qui restent depuis longtemps. Or, je pense que si je veux. Ouais. J'ai de passer avec un truc de cobble parce que ça va jamais le faire. Alors, ici, c'est pas spawnable. À la base, c'est pas spawnable. Oh, ça met la good. Hein. Ça met la good. Enfin, en vrai, ça. Si jamais je chope une sapling comme ça, je la fous chez Pierre. Je suis con, j'aurais dû tester chez lui en plus. Je suis débile, j'aurais dû tester chez lui. En plus, il y a un live ce soir, j'aurais dû le foutre chez lui. M'en dites pas plus. M'en dites pas plus. Une sapling, ces petites bites. Y'a pas plus rapide qu'une hache là? Et j'ai envie d'escaver un coup, mais ça va me niquer mon arbre en fait. Je sais pas si ça marche avec ça. Bon, l'arbre il est un peu chauve. Ah. L'arbre il a une calvitie. Ben voilà. On a de la dirt. Bon, on n'a pas assez de bonne mille par contre. Ça clairement. Nonos. Puis ça. Bon allez. Non ouais. On va prendre un petit peu. F. Ok. Flash, Island, spawn. Pierre casse le complet, non. Je sais. Alors, vu qu'on sera en bas, ça se voit pas. Faut twerk pour que ça pousse. Bah t'es pas obligé de twerk pour que ça pousse. T'es obligé de twerk. Je te connais maintenant depuis une semaine grâce à IPR, c'est vrai? Bah nice. C'est qu'on peut lui en mettre un. Et en vrai, moi je dis, ça fait un peu vide là-bas, non? Vous êtes d'accord? Au-dessus du temple. Oh putain. C'est génial, les gars. Terrible, Davlek, il était pas venu voler en fait. Davlek, il était pas venu voler en fait.
Terrible. Il était venu prank Pierrot. Eh ben écoute, double prank. Hein, voilà. Allez, c'est cadeau. Hein. Oh, mais il leur tira son arme, mais il leur tira. Hein. On en fout un dessus de la sphère. Allez, on en fout un dessus de la sphère. Carte Simour. Bon, désolé d'avance, Pierre. Hein. J'espère que tu prendras un plaisir. Hein. Bah, ouais, il y en a pas assez sur ton temple. Mais torche aussi. Non. Chacun sa merde. Hein. Par contre, c'est moi, je récupère une sapling à chaque fois que je casse la dirt. Ah ouais, quand tu pètes la dirt, tu récupères une sapling, c'est terrible. En fait, c'est un arbre à prank ce truc. C'est un arbre à prank, y'a rien d'autre. Hein. Là, il va se connecter vers des coups instant. J'espère qu'il a de quoi casser instant un truc. Hein. Ouais, je pense que ça suffit comme ça, en vrai, j'ai pas trop lui en mettre non plus. J'ai pas trop lui en mettre non plus, j'en ai mis sur ces deux sphères, j'en ai mis là, je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est bien visible. En fait, c'est bien visible quand c'est comme ça, quand c'est en hauteur, donc c'est cool. Voilà. Je suis sûr il va même pas capter instant en vrai. En vrai, je suis sûr il va pas capter instant. Ça peut être un Tomcraft en dernier. J'ai pas envie de lui niquer son truc ici. On va le mettre là. On va le mettre là pour pas que ça gêne trop. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'ils volent des arbres. J'aurais dû les mettre dans le boss pour arbre. On va mettre un panneau aussi. Ouais, on peut mettre un panneau. Je sais pas quoi. Je sais pas comment signer la prank. Je sais pas quoi mettre comme message. Hein. De la partie Siphano. Bon retour. Ouais, je vais mettre bon retour signé Siphano. On va mettre ça. Pas du bois ici. Non, on va mettre bon retour signé ici. Je mets juste bon retour sur Siphano ou Y'a à croire que c'est horrible. Ah mais je peux mettre quoi du coup? Non, en vrai, faudrait que je mette quelqu'un d'autre que Siphano, non? Mais juste un panneau ou j'en mets plusieurs hein? Première. Ouais, j'enlève le hashtag. En vrai, j'ai juste fait un seul panneau, ça suffira. Il le verra bien sur un. Il retire à tous les arbres, ça manque. Hein. Ok. Ah, sinon, je signe un joueur par arbre.
peut mettre un attendement aussi pour brouiller les pistes. Dramatique. On peut mettre Alex League parce qu'il est sur le truc. Y'a qui qu'on pourrait mettre mais qui est pas sur FTP justement? Pour troll. Ouais, par contre, les trucs avec des épées à 40 milliards de dégâts là. Ça me gonfler. Hein. Ouais, aïe aïe aïe! Mais terrible ces mobs! Oh, j'ai signé Shorty! Oh, j'ai signé Shorty! Oh, vous êtes les best! J'aurais dû signer Shorty sur celui là-bas. J'ai modifié, j'ai mis Shorty. Vous êtes les best, les gars. On va mettre qui ici? On va mettre. Bon retour. Tiens, mettre Shorty. Il me reste là-bas. Hein. Là-bas, je vais mettre moi, je vais juste mettre mon pseudo. Ouais. Non, Shorty, en vrai, c'est le best. Shorty, c'est le best. C'est des pires les gars. Des pires. Par contre, j'ai un retard full de conneries avec ça. On va zider un peu chez Pyro. Pas déconner. Et comment il a fait Dave pour mettre la Koala Corpse? C'est un logo qu'il a intégré dans le jeu? Un logo qu'il a incorporé dans le jeu? En vrai, j'ai retiré 7 sans coffre, y'a pas à comprendre sinon. C'est un screen, tu peux mettre un URL d'un GIF. Ok, ok. Non, je savais pas qu'il pouvait importer des images comme ça dans le jeu. Je savais pas. Terrible le jeu qui répond pas là. Ah, il re-répond. Ah, il re-répond pas. Je crois que le jeu il aime pas quand je me TP de chez Pierre à chez moi. Je crois qu'il aime pas les Island Home en fait mon jeu. Je suis heureux, ils ont mis plusieurs mais je crois qu'ils les ont virés. Putain, Roi Louis il a pas lancé son live là. Si je plante maintenant 5 minutes avant son live, ça me ferait chier. Il est pas en live Roi Louis. Et... Ah mon jeu s'est fermé, c'est pas drôle. Les couilles. Ah mais moi je voulais attendre 18h pour Osterroi. Bah on va attendre. Écoutez les mecs, on va attendre 3 minutes. On va attendre 3 minutes que Roi lance son live et puis on va Puis voilà quoi. Puis voilà, puis voilà. Au démineur, hein. Je sais même pas si j'ai le démineur sur le buzz. Plus la merde sur le démineur en plus. Ah j'ai pas le démineur, c'est terrible ça. J'ai pas le dé... Installer l'application. Non. Non. J'ai pas des mineurs. C'est de conneries. Windows 10 de mon cul. Des mineurs en ligne. Ah non, j'ai pas la connexion. Les trucs en ligne, j'ai pas la connexion pour les gars. Là, si j'ai sur un truc en ligne, le stream drop. Hein. C'est même pas la peine d'essayer. Sur le site d'Hyper, j'y pensais, mais je pense que ça va faire laguer. Faire laguer. Vous voyez, sur la page de Roi, on va attendre qu'il lance son live. J'ai Roi Louis dans mes rejets. Roi Louis. Yes. En téléphone. Ah mais il me host. Évidemment il me host. Je commence à partir de quelle heure les lives? En fait si vous voulez mon planning de toute façon vous avez soit pour une exclamation planning quand c'est à jour, soit sur mon serveur Discord vous avez mon planning quoi qu'il arrive dans le channel planning. Là c'est live 14h30. Live à 14h30 la semaine.
tous les jours sauf exception. Je vais faire. En vrai, je peux déjà mettre le planning de la semaine prochaine, je pense, du coup. Ce que je ferai, c'est que semaine prochaine, je liverai lundi, mardi, vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Peut-être pas vendredi. Et du coup, peut-être que vendredi, je me reposerai. Pour du coup, faire le 24h samedi, tu vois. Je pense que je ferai ça. Je pense que semaine prochaine, je vais faire lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pas vendredi. Samedi à dimanche, 24h. Après, peut-être pause jusqu'à genre. Y'a rien en fait. On reprend lundi après. Hein. Après, j'ai à carburer de toute façon parce qu'en fait, le 10 et le 11, je pourrais sûrement pas stream. Ouais, on va faire ça, j'ai bourré. On va bourrer. Bah, ce week-end. Ah, mais si. Là, y'a le planning ce week-end. Là, planning compris. Là, y'a live demain, y'a live 14h30 FTP. Y'a live dimanche piano FTP. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, y'a FTP. Vendredi, pause. Samedi, 24h FTP. Teamfight Tactics, LOL, Cité des éléments, piano, machin, tout ce que vous voulez. Et voilà. Simplement. Simplement de simplement. Pourquoi Croix-Louis il a lancé son live? Pourquoi Croix-Louis? On va attendre 2 minutes encore. On va attendre 2 minutes. En vrai, je vais mettre 2 minutes de pub. On peut discuter un petit peu en même temps. Et puis, je hosterai une fois que son live sera un petit peu lancé à Croix-Louis. Tu sais pas pourquoi le 28 c'est aujourd'hui? On est le 26. Je suis perdu dans les dates en vrai, moi. Je suis perdu dans les dates. Hein. J'ai trop de trucs. Alors d'ailleurs, il y aura pas de live aussi fin août. Fin août, il y aura une semaine, il y aura pas de live. Je suis en vacances chez les parents et tout. Voilà. Et sinon, normalement, il y aura des lives au moins tous les jours. Hein. Sauf exception, comme j'ai dit. Donc bon. C'est Mario. Comment vas-tu? J'ai signé avec quel nom? J'ai signé avec. J'ai mis Shorty, j'ai mis. Je crois que j'ai mis Sifan. Non, je sais plus qui j'ai mis. Je sais plus si j'ai mis Sifan ou pas. Qui j'ai mis? J'ai mis Souls. J'ai mis mon nom évidemment. Qui j'ai mis? Alex, je l'ai remplacé. Alex, je l'ai remplacé par Shorty. Peut-être oublié un arbre. Non, j'ai mis B-Boy. Non, j'ai mis B-Boy. Shorty. Sifano. Moi. Et Souls. Bon, tu fais une usine à Wither. Ça dépend si t'es en vanilla ou en modé. Parce que ça n'a strictement rien à voir. Tout dépend. T'es en vanilla, tu prends une forteresse, tu te fous un croisement de forteresse, tu rases le truc et puis. Enfin, tu rases. T'as plani. Et puis après, en vrai, il y a des vidéos sur YouTube qui te montreront comment faire parce que c'est des merdes pas possible de faire, mais voilà. Attends, c'est pour les Blaze, non? Non, ça marche aussi pour les Wither, je crois. C'est une usine qui fait pour les deux, hein. C'est fait pour Blaze et Wither, je crois. Théoriquement. Est-ce qu'il a bien lancé son live? Il a lancé son live, le petit roi. Allez, slash host. Bon, écoutez, les amis, on va cesser là-dessus pour aujourd'hui. Merci à vous d'être venus, c'était bien cool en tout cas. Merci au sub, merci au follow, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez faire des gros bisous à Roi, c'est son anniversaire. Donc, joue le host. Voilà. Et puis, je vous dis rendez-vous moi demain à 14h30 pour la suite des aventures. Bref, des bisous, les amis. Et voici. Le point 4 est mieux. Eh ben, écoute, on va voir. On m'a dit que oui, si ça, tout chargeait plus vite, je crois, c'est ça. Il y a plein de trucs, mais attends, on va voir ça tout de suite. En plus, je suis en shader et tout. Quoi, je peux me stream pour Midnight et During, machin, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Kitchi qui a offert 5 subs. Oh, c'est trop gentil ça. Tiens, Paul, dis donc, Paul, comme ça, voilà. Alors, donc. Ça veut dire que tu peux dormir uniquement la nuit pendant les orages. Ouais. Attends, parce qu'il fait pas nuit là en fait, techniquement. Ça veut dire qu'il fait pas nuit. Le ça peut marcher? Regardez, on croirait vraiment. Attendez, je vais faire un slash raid. Hein. On va faire un slash raid parce que ça bugait. Ça fait carrément super. Mais en fait, je sais pas s'il faut que je host avant ou après le live. Attendez, je vais cut le live et je le host. Ça sera plus simple.